Bonjour et bienvenue dans ce nouveau documentaire consacré à l'année 1947. Nous allons voir ensemble qu'il s'agit d'une année charnière qui a véritablement posé les jalons de notre ère moderne. Nous découvrirons également qu'elle fait écho à l'année 2017. Tout à fait Marc, nous tenons également à vous remercier pour tous vos soutiens et vos remarques concernant le premier documentaire que nous avons réalisé, Les Gardiens de la Matrice, que vous pouvez voir sur YouTube et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le visionner. Nous sommes ici à Fontaine de Vaucluse. En 1947, Jacques-Yves Cousteau a effectué l'une de ses premières expéditions dans ce gouffre, à l'aide d'un scaphandre mobile, une invention révolutionnaire à l'époque. Nous vous proposons justement de débuter notre exploration en regardant le sommaire de cette émission. Chibaba, chibaba, chihuahua, Angelawa, kukula, goomba. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 1947 est une année charnière durant laquelle il faut reconstruire un nouvel espoir, construire un nouvel avenir. Mais comme nous allons le voir, cette reconstruction n'est pas uniquement matérielle. En effet, d'incroyables découvertes et événements vont se succéder en seulement quelques mois pour laisser place à ce que l'on pourrait définir comme une nouvelle ère qui va véritablement renverser et recadrer notre vision du monde, comme un coup de baguette magique. Nous aborderons les surprenantes découvertes scientifiques et les avancées technologiques de 1947 avant de nous intéresser aux événements ufologiques cette année-là. Enfin, nous nous pencherons sur les événements et décisions politiques et la mise en place d'effroyables secrets. Les découvertes scientifiques de 1947 sont majeures, si importantes que l'on a peine à imaginer qu'elles n'ont que 70 ans. La précision, telle semble être le maître mot de cette année 1947. Tout d'abord, au niveau de l'infiniment petit, des atomes. Ainsi, en septembre, le chimiste américain Willard Frank Libby révèle au public sa découverte sur la datation au carbone 14. Ce même chimiste travaillait sur la fabrication de la bombe atomique lors du projet Manhattan. Sa découverte permet de donner un âge à des éléments archéologiques, géologiques ou encore géophysiques. Une innovation qui révolutionne le monde scientifique et va être utilisée dans le domaine de l'archéologie. La contestation devient désormais difficile. La datation au carbone 14 impose une norme encore utilisée de nos jours. L'application de cette méthode à des événements anciens, tout particulièrement lorsque leur âge dépasse 6000 ans, a permis de les dater beaucoup plus précisément qu'avant. On redessine notre histoire peu à peu à l'aide de cette nouvelle technique, le carbone 14. On ne peut dater que des éléments organiques. Mais la méthode utilisée n'est pas infaillible. En effet, la présence d'un ou plusieurs contaminants naturels ou artificiels des échantillons peut fausser les résultats de plusieurs milliers d'années. J'ai été archéologue pendant à peu près une dizaine d'années, aussi bien sur des fouilles programmées que sur des fouilles préventives. J'ai travaillé aussi bien sur de l'interprétation que sur de la datation. Et j'ai fait beaucoup de choses sur la période médiévale et gallo-romaine. Par exemple, quand on veut faire une datation au carbone 14 d'un élément, on estime que c'est de l'an 1000 à peu près. On donne une approximation du résultat que l'on attend. Et en fait, le laboratoire veut se servir de cette approximation-là pour voir si les résultats qui sont obtenus sont aberrants en termes scientifiques ou pas. Donc, ça veut dire qu'on donne des indications au laboratoire avant même que ce laboratoire ait fait ses propres analyses. Donc, on se demande un petit peu quelle est l'histoire de cette datation-là, quoi. C'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. En fait, il y a deux types de datation en archéologie. Il y a ce qu'on appelle la datation absolue et la datation relative. Quand on a un doute en dendrochronologie, on utilise le carbone 14. Et quand on a un doute sur le carbone 14, on utilise la dendrochronologie. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une situation un peu amusante où on se demande quelle est l'histoire de qui a raison ou tort. C'est-à-dire que si on se base sur deux méthodes qui ne sont pas complètement fiables pour donner un résultat qui est fiable, ça paraît surprenant en termes de rigueur scientifique. Donc, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple de datation qui a été faite sur le site de Guéné, dans le Michigan. Donc, la datation au radiocarbone a daté le site de 2880 ans avant Jésus-Christ, alors que par thermoluminescence, ce même site a été daté à 12 400 ans. Voilà, on a 10 000 ans d'écart entre la datation au radiocarbone et la datation par thermoluminescence. Les sites préhistoriques ne sont pas datés autrement que par la présence de charbon de bois.
C'est-à-dire que si on trouve un charbon de bois dans une grotte où il y a de l'art pariétal, on considère que la datation de ce charbon de bois va permettre de dater les peintures qui sont sur les murs. La grotte de Lascaux, on l'a datée parce qu'il y avait des charbons de bois qui avaient été trouvés dans la grotte. Mais si on regarde avec un petit peu plus d'attention cette datation-là, bah, on se dit qu'il y a des choses qui sont quand même très louches. Pour peu que certains aient mis les charbons là, ou bien alors que tu aies demandé à la personne qui allait faire la datation carbone 14 bah, de trouver les résultats qui correspondaient à ce que toi tu avais en tête, voilà, bah, ça fait qu'un pas, quoi. Donc, parce qu'il faut jamais, dans l'archéologie, c'est très rare d'avoir des gens qui ont comme conclusion de dire on ne sait pas. C'est un petit peu comme si on se disait, bon ben voilà, on va placer un téléphone portable dans une cathédrale médiévale. La cathédrale s'écroule. Dans 10 000 ans, des archéologues du futur vont venir voir la cathédrale et ils vont se dire, eh ben, cette cathédrale date du 21e siècle. La preuve, c'est qu'il y a un téléphone portable qui a été retrouvé au milieu. Quand j'étais archéologue de terrain, j'amusais souvent de voir que la plupart de mes collègues ne remettaient jamais en cause les méthodes qu'ils utilisaient. C'est-à-dire qu'on peut souvent s'imaginer qu'un archéologue, c'est quelqu'un qui a un esprit vif et qui est capable de tout remettre en cause pour trouver la datation, l'interprétation qui correspond à ce qu'il recherche. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que celui qui va réfléchir par lui-même et celui qui va faire essayer de réfléchir aux autres, bah, il va être marginalisé et on va lui dire « faites attention à lui parce qu'il est capable de remettre en cause ce que nous, on considère comme étant acquis ». Ce qui est assez amusant, c'est qu'avant qu'on fasse des méthodes scientifiques de laboratoire pour dater les objets, à chaque fois, c'était de la chronologie relative, donc une chose est plus ancienne ou plus récente qu'une autre, et surtout on s'appuyait sur des dogmes qui étaient religieux. Alors aujourd'hui, on peut dire dogme avec le recul, mais à l'époque, ça paraissait être des évidences. Et ce qui est amusant, parce que c'est le moins qu'on puisse dire que ce soit très amusant, c'est qu'on se rend compte que les datations scientifiques corroborent quasiment à chaque fois les datations qui remontent au 19e siècle et des choses qui sont bien plus anciennes et qui datent de l'époque où c'était des gens religieux qui écrivaient l'histoire, qui ne s'appuyait pratiquement pas sur l'archéologie, puisque l'étude du sol était quasiment proscrite. La religion est beaucoup plus présente qu'on ne peut l'imaginer. Mais il faut voir l'archéologie de l'intérieur et regarder l'archéologie avec beaucoup de recul pour comprendre ces jeux de pouvoir, ce qui n'est pas le cas de la plupart des archéologues, puisque étant eux-mêmes dans une situation professionnelle où ils sont obligés de se produire sur la quantité et sur la qualité, ils ne regardent pas en fait tout ce qu'il peut y avoir autour d'eux au niveau professionnel, au niveau... du conditionnement intellectuel. Donc la plupart du temps, ce qui est assez amusant, c'est de voir que sur le terrain, les archéologues ne font qu'appliquer des méthodes qu'ils ont apprises pendant leurs études supérieures sans véritablement remettre en cause ces méthodes et voir que parfois, il y a des aberrations qui sont énormes. Les archéologues peuvent écrire globalement ce qu'ils veulent. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont deux choses qui viennent les limiter dans leur raisonnement. La première chose, c'est leurs études supérieures et toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir pendant toutes ces années de travail bien souvent très laborieuse. La deuxième chose, c'est tout simplement le fait que chaque rapport de fouille, chaque rapport scientifique archéologique passe à un moment donné par un contrôle. C'est-à-dire que vous avez des archéologues qui parfois vont donner une datation dans leur rapport et cette datation-là va être retoquée. C'est-à-dire qu'on va dire, monsieur, nous considérons que la datation que vous donnez, l'interprétation à votre site ou à vos vestiges archéologiques est totalement farfelue. Donc, en fait, il ne s'agit pas véritablement d'une forme de pression qui est exercée sur les archéologues, mais plutôt une forme d'autocensure. Il y a une guerre entre les archéologues qui étudient le terrain et les historiens qui étudient les textes. Et cette guerre commence dès l'université, puisque les archéologues, eux, vont fouiller l'été pendant un mois ou deux par an, alors que les historiens, eux, sont toute l'année dans leur bibliothèque à essayer d'épurer des vieux textes dans différentes langues. Et on se rend compte qu'en fait, aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont souvent les historiens qui vont s'appuyer sur les textes, qui vont avoir raison sur les hommes de terrain, qui vont dire « mais ce que l'on trouve est totalement différent de ce qui a marqué dans vos livres ». Un historien aura quasiment toujours raison sur un archéologue. Même si l'archéologue amène des preuves matérielles, ce sera toujours l'historien qui, en montrant un vieux livre, en montrant un vieux texte qui a été exhumé quelque part, c'est toujours lui qui va avoir raison sur l'archéologue. Une question qui est quasiment jamais abordée dans l'archéologie, c'est quel est l'événement qui a été générateur de la fin de l'ère glaciaire ? Qu'ont pu devenir toutes ces civilisations passées qui ont vécu cette déglaciation assez rapide ? Les gens qui sont très spécialisés, qui travaillent là-dedans, dans ce domaine-là, en fait, il y a un blackout complet sur les dernières inversions magnétiques des pôles. Et au-delà de l'inversion magnétique des pôles, eux, ce qu'ils disent souvent, c'est qu'ils ne travaillent pas sur une inversion magnétique, mais ils travaillent sur, en fait,
Il travaille bien plus sur une démagnétisation de la Terre qui mène soit vers une inversion des pôles, soit sur un rééquilibrage et une situation des pôles qui était analogue à ce qu'il y avait avant. Il y a tout ce qui est carottage, notamment dans l'Arctique et dans l'Antarctique, quoi. Ils disent quasiment rien. Ils ne donnent quasiment aucun élément. Alors, et en général, ce qui est assez amusant, c'est que, enfin, je dis souvent que c'est assez amusant, c'est que quand on a le recul pour l'avoir vécu, le truc, on a envie de rire tout le temps, se dire, mais vous êtes idiot, tout est devant votre nez et vous voyez rien, quoi. Tout est là sous votre nez. Et vous avez une forme de déni professionnel ou mental, intellectuel, qui fait que, bah, bien que tout soit là, vous préférez regarder à côté et faire l'autruche, quoi. C'est surprenant. Mais humainement, ça s'explique. Ça s'appelle du déni, quoi, rien de plus. L'archéologie, c'est une chose, mais au-delà de ça, il y a deux autres éléments qui sont très importants pour voir les bouleversements, c'est l'observation des étoiles et la géologie. La conclusion à toutes ces histoires de datation, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à remettre en cause ce que l'on croit avoir acquis pendant des années d'études. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir aussi se dire, dans certains cas, on ne sait pas. La précision se manifeste également dans la miniaturisation. En décembre, l'équipe de chercheurs des laboratoires Bell présente une toute nouvelle invention. Il s'agit du transistor, une découverte révolutionnaire qui va ouvrir la voie à la miniaturisation des appareils électroniques. Cette avancée technologique arrive comme si elle avait été semée sur la Terre. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des découvertes simultanées se font sur la planète. En effet, à quelques milliers de kilomètres, en France, à Aulnay-sous-Bois, Hébert Mataré et Heinrich Welker, une équipe de chercheurs indépendantes, travaillent sur les premiers transistors européens dont les brevets ne seront déposés qu'en 1948. On se souvient aussi de la paternité du téléphone entre Bell et Gray, qui avaient tous deux réalisé la même invention à quelques jours près. Ou encore les recherches de Tesla face à Edison. Toujours dans l'infiniment petit, le vaccin de la polio est mis au point. Selon les chiffres de l'OMS, une épidémie de polio survenue en Inde en 2007-2008 révèle que 77% des gens touchés avaient reçu plus de 7 doses de vaccin polio oral, soi-disant le plus efficace, et 18% avaient reçu 4 doses ou plus. Ainsi, au total, 95% des personnes touchées par la maladie étaient pourtant ultra-vaccinées. Le docteur Robert Randu, de la faculté de médecine de Lyon, déclare à la presse médicale en 1949 « Entre 1943 et 1947, 5 millions au moins d'enfants ont été vaccinés contre le tétanos, soit plus de la moitié de la population âgée de 1 à 14 ans. Cette vaccination massive aurait dû entraîner une diminution considérable du nombre de décès. Or, les statistiques officielles montrent que le nombre de décès infantiles par tétanos n'a guère varié de 1943 à 1947. Aujourd'hui, en 2017, les vaccins sont au cœur de l'actualité, puisque le gouvernement prévoit de mettre en place 11 vaccins obligatoires, alors que l'efficacité des vaccins est contestée et leur nocivité mise sur le devant de la scène. Le 15 août est mise en service à Harwell la première pile atomique britannique. La première horloge atomique est également créée. On mesure désormais le temps avec des horloges qui dérivent de moins d'une seconde en 3000 ans. Quelle différence y a-t-il entre le temps astronomique et le temps atomique ? Le temps astronomique est donné par la rotation de la Terre et on l'observe avec des instruments astronomiques. L'heure atomique n'est pas l'heure d'une horloge en particulier. C'est une heure qui est calculée comme une moyenne des indications de toutes les horloges que l'on a à la surface de la Terre. Pourquoi avoir créé l'heure atomique ? L'heure astronomique ne suffisait pas ? L'heure astronomique ne suffit pas parce qu'elle n'est pas très régulière. Et les étalons atomiques de fréquence et de temps donnent une heure qui est beaucoup plus uniforme et qui de plus peut se lire avec une précision bien meilleure. On ne peut obtenir que le millième de seconde comme précision sur l'heure astronomique, alors que l'on peut aisément obtenir le millionième et même le milliardième de seconde sur les étalons atomiques. Alors si je comprends bien, l'heure astronomique est irrégulière, c'est-à-dire qu'il y a des heures de plus d'une heure ou des heures de moins d'une heure. Elle est légèrement irrégulière, naturellement ça n'est pas sensible pour le grand public, mais c'est sensible pour la recherche scientifique. Et alors l'heure atomique, elle ? L'heure atomique est d'une vraiment très grande régularité. Je vous donne souvent un exemple. Si l'on place côte à côte deux étalons atomiques de temps, eh bien, ils ne divergeront d'une seconde qu'au bout de 10 000 ans. Cette découverte fait écho à 2017, puisque le cristal de temps a été créé. Il s'agit d'un nouvel état de la matière, au sein duquel, par exemple, un collier d'atomes varie au cours du temps, tout en retrouvant périodiquement la même configuration. Comme une aiguille parcourant perpétuellement le cadran d'une montre, toujours à la même vitesse. Un métronome absolu en somme. De l'infiniment petit, on passe cette fois-ci à l'espace.
Là encore, les découvertes sont spectaculaires. On découvre les toutes premières photos de la Terre depuis un satellite de la NASA. L'homme ne pouvait autrefois se représenter la Terre qu'à partir de cartes et de dessins. Il s'agit d'une nouvelle représentation du réel, toujours diffusée aujourd'hui par le même organisme issu de l'opération Paperclip, la NASA. Les limites de vitesse sont dépassées, avec le 14 octobre 1947, le franchissement du mur du son pour la première fois. Le radeau Kon-Tiki traverse l'océan Pacifique. Le but de cette expédition scientifique, conduite par Thor Heyerdahl, est de réfuter une objection courante à sa théorie selon laquelle les populations des îles du Pacifique étaient en partie originaires d'Amérique. Au même moment, on découvre les manuscrits de la Mer Morte. Mais depuis leur découverte, une sorte de voile a recouvert leur contenu, puisque seuls les spécialistes et les passionnés les connaissent. Pourtant, leur importance est capitale, car ils complètent les quatre évangiles de Marc, Jean, Matthieu et Luc. Il a fallu le film Stigmata et le livre Le Code Da Vinci pour que le monde découvre la présence de Marie-Madeleine auprès du Christ. On voit également le Soleil avec plus de précision. Le plus important groupe de taches solaires observé à ce jour est apparu en avril 1947. Parallèlement, on assiste à la création d'importantes normes de standardisation qui vont elles aussi se mettre en place, comme les accords du GATT sur les tarifs douaniers et le commerce qui entrent en vigueur. Le 11 janvier 1947 est créée la Commission permanente de la normalisation agricole. Également la création de la norme ISO, Organisation internationale de normalisation, qui est le premier producteur mondial de normes internationales d'application volontaire. Depuis 1947, pas moins de 22 017 normes internationales ont été publiées, couvrant la quasi-totalité des aspects techniques et économiques. En 1947, est signée la Convention internationale des télécommunications à Atlantic City. Il s'agit de réglementer l'usage des fréquences, afin d'éviter les brouillages. Non seulement on ne peut plus émettre librement sans l'accord de l'État, mais on doit également payer des taxes. Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un particulier ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée par le gouvernement du pays dont relève la station en question. En France est instauré le plan comptable général, qui vise également à normaliser les données comptables. En parallèle à cette mise au point, ce cadrage du monde réel, la technologie ouvre la voie au monde virtuel. Ainsi, le 9 septembre 1947, c'est le premier bug informatique. Le calculateur Mark II défaille. Quelle est la source de la panne? L'équipe de Grasshopper, chargée de l'appareil, lance ses investigations et découvre que c'est un insecte, bug en anglais, qui a provoqué un court-circuit dans les entrailles de l'ordinateur. Ce mot est utilisé quotidiennement aujourd'hui, comme si un insecte, autrement dit un minuscule être vivant, pouvait être la cause des défaillances de nos systèmes informatiques. Devinez quoi ? 1947, c'est aussi la création du jeu vidéo. Désormais, vous pouvez incarner un avatar dans un monde virtuel. Les frontières de la matrice semblent repoussées pour aller plus loin dans notre imaginaire. Nous pouvons visualiser et à la fois être actifs dans une autre réalité. De quoi se déconnecter quelques instants du monde réel. Vous ne me croirez peut-être pas si je vous dis que c'est en 1947 qu'a été créé le premier hologramme par le Britannique Dennis Gabor. Regardez comment la société de 1947 imaginait le monde futur. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle, elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre. Heureux de se sentir ému, ému de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers.
Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobiles et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens. Ou dis, maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Ce n'était finalement pas de la science-fiction, n'est-ce pas? Bienvenue à vous, Jashan Chitesh. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce documentaire. Vous savez probablement que le premier bug informatique fut découvert par Grace Hopper, pas Grace Hopper qui veut dire sauterelle. Et aussi, le premier jeu vidéo fut créé en 1947. La même année, le physicien Dennis Gabor a inventé l'hologramme. Et toutes ces découvertes font depuis partie de notre vie quotidienne. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes brièvement et ce que votre société informatique propose dans le domaine de la réalité virtuelle en 2017? Eh bien, je m'appelle Jashan Chitesh et je suis ingénieur informatique et développeur de jeux de réalité virtuelle. Quand j'étais enfant, je rêvais déjà de créer des mondes virtuels. Et peu après mes 20 ans, j'ai pu essayer ces très petites lunettes à 30 degrés de champ de vision pour jeu d'écran des débuts de l'expérience de réalité virtuelle. Elles n'étaient pas géniales, mais je savais qu'un jour ça allait prendre vraiment forme. En 2011, j'ai lancé cette compagnie, une société de jeux vidéo. Narayana Games. Narayana est le rêveur. Ce sont les rêves qui contribuent à faire avancer cette réalité. Il y a donc une connexion entre la création de réalité virtuelle et aussi le nom de la société. Ensuite, en 2015, quand j'ai entendu parler du Vive, le casque de réalité virtuelle, j'étais au courant du Kickstarter Oculus. J'y ai participé et je me suis procuré le DK1, puis le DK2. J'adore ça. Quand j'ai appris l'existence du casque Vive Room Scale, à l'échelle de la pièce, je me suis dit, voilà, c'est ça. Maintenant, je dois commencer à développer des jeux. Pouvez-vous nous expliquer le concept du jeu HoloDance? Le concept prend sa source dans le RoomScale VR, la réalité virtuelle à l'échelle de la pièce. Je regardais les différentes possibilités qu'on avait, comment on pouvait tirer parti d'un espace limité dont on disposait pour la réalité virtuelle, afin que les gens ne se sentent pas confinés. Vous avez peut-être vu le projet HoloMaze, l'une des idées que nous avons eues. Vous avez donc un labyrinthe dans une salle qui peut vous téléporter à différents endroits du labyrinthe. Vous entrez dans le labyrinthe et vous ne quittez jamais vraiment votre espace de 4 mètres sur 4 mètres carrés. Mais vous sentez quand même que vous marchez sur une bonne distance en fonction du labyrinthe. Le défi avec tout cela, c'est que tout le monde n'a pas un espace de 4 mètres sur 4 disponible. Donc, on a eu besoin de réduire cette superficie.
Comme en plus, j'ai produit de la musique auparavant dans ma vie, il était tout à fait naturel pour moi de créer un jeu rythmique qui permet de juste vous tenir debout à un seul endroit précis. C'est comme une expérience debout, mais si en plus vous avez un peu de place, les orbes que vous attrapez dans le jeu viennent de deux endroits différents et vous font bouger dans cette zone. Voilà donc comment l'aspect technique a démarré. La conception d'un jeu demande autant de temps que d'efforts. J'ai voulu créer ce jeu pour le fun, quand on a un peu de temps à perdre. J'ai aussi ajouté cette aventure appelée Holodance, danser avec les dragons. C'est l'histoire d'un groupe de dragons qui revient sur Terre après quelques milliers d'années et qui ont compris que, sans leur guidance, les humains étaient en train de détruire la planète. C'est un sujet plutôt léger. Ce ne sont que des dragons, après tout. Mais en même temps, c'est un sujet très sérieux que j'aborde dans l'aventure du jeu. Ce concept fonctionne vraiment bien dans la réalité virtuelle. J'emmène le joueur à différents endroits. Dans la première partie du jeu, il y a trois sortes d'environnements. Il y a un environnement au sol, puis un autre environnement en l'air, avec la danse dans les nuages, et enfin un environnement sous-marin dans l'océan. Il y a donc un type de dragon par environnement. Un dragon de terre, qui s'appelle Pretty Tesh, un dragon désert, Valyusa, et un dragon des eaux, appelé Upper Star. Dans les trois premiers niveaux du jeu, tout est en harmonie parfaite. Il n'y a vraiment aucun signe de civilisation. Mais ensuite, dans les niveaux 4 à 6, vous voyez presque les mêmes zones. Les niveaux terre, air et mer, mais on commence à voir des traces de civilisation industrielle et capitaliste. Ensuite, dans les niveaux 7 à 9, j'emmène le joueur encore plus loin, mais pas bien plus loin que ce que vous avez vu avant si vous cherchez de tels endroits sur Terre. On a des endroits où l'océan est déjà mort et des endroits où il y a des détritus partout. Enfin, au neuvième niveau, c'est un désert de glace. C'est un des futurs potentiels. Les scientifiques disent que si l'on crée un réchauffement climatique, il y a un effet de rebond inversé. Avec la montée des températures, ça réchauffe l'atmosphère. L'humidité générée dans les nuages peut tourner en âge de glace. Puis j'emmène le joueur dans ce module sci-fi dystopie. L'histoire concerne l'espèce humaine, notre civilisation. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment de la science-fiction. Dans un futur proche, dans le jeu, on se sert de l'intelligence artificielle pour voir où les crimes pourraient arriver. Et pour cela, on équipe les corps. Si on regarde de près ces technologies, c'est déjà en train d'arriver. On a déjà des robots autonomes. À ce niveau de l'histoire, l'intelligence artificielle a calculé que l'espèce humaine était un danger pour la planète. Et comme ils n'ont pas de cœur, la façon dont ils solutionnent ce problème, de leur point de vue, c'est éradiquer l'espèce humaine pour sauver la planète. Ça paraît tordu en quelque sorte, mais ce n'est pas complètement impossible. Il y a pas mal de personnes comme Elon Musk qui préviennent que l'intelligence artificielle pourrait être une des plus grandes menaces pour l'humanité. Au niveau 11, l'histoire, c'est que la Terre a été complètement détruite.
Et enfin, au niveau 12, à travers une femme dragon, sage et ancienne, la mère de tous les dragons, on nous fait prendre conscience que tout le jeu est comme un rêve, ce qui est vrai, et qu'il reste du temps pour réécrire notre histoire, notre avenir. Quand on arrive à cet endroit, on réécrit l'histoire pour notre avenir. La question qui est vraiment proposée à travers ce jeu, c'est quel genre de futur voulez-vous écrire pour notre avenir ? Vous parlez de dragons. Je voudrais savoir si vous avez été inspiré par le surnaturel ou les légendes. Eh bien, c'est un sujet très intéressant, car les dragons existent dans pratiquement toutes les cultures. On leur associe des attributs différents. Certaines personnes ont peur d'eux. Ils les identifient à la destruction. Mais en même temps, les dragons sont aussi synonymes de sagesse. Et puis rarement, ils sont associés à des gardiens de la nature ou des gardiens de la terre. Le côté sagesse du dragon est présent un peu partout. Il représente une sorte de guide pour l'espèce humaine. Ils étaient présents autrefois dans notre histoire, mais ensuite, ils sont partis pour que nous puissions grandir. C'est un peu comme les parents qui vous laissent partir quand vous grandissez. Et puis, on a un peu raté. Ils se sont retournés et se sont dit peut-être qu'ils ont besoin d'un peu de guidance, parce que ça ne marche pas si bien que ça en ce moment. Certains joueurs veulent un environnement réaliste. Et nous ne savons pas encore si, dans 20 ans, il y aura une frontière entre la réalité et les jeux vidéo. Que pensez-vous de cette frontière entre les jeux et cette réalité? Pensez-vous que cela pourrait représenter un danger pour nous? C'est intéressant, ça fait suite à la réponse de la question précédente. La programmétrie, c'est ce qu'on fera beaucoup. Au lieu de modéliser tout, nous transférerons le monde réel dans l'ordinateur, parce que c'est l'objectif du jeu. Je pense que c'est en train de venir, et que ça va surprendre pas mal de monde. Mais pour être honnête, quand vous sortez dans la forêt, vous respirez l'air et ressentez la vie qui émane de cela. Alors que quand vous mettez votre casque, il y a une énorme différence. Pour les gens qui ne peuvent pas avoir ça, qui vivent dans la ville, et pour qui c'est difficile de sortir à l'extérieur, c'est super de pouvoir avoir ça. C'est une expérience totalement différente. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont abuser, tout comme ces gens qui consacrent tout leur temps à regarder leur petit écran à la main, pour voir des choses bizarres sur Facebook ou Twitter. Tout cela peut avoir un impact très grave et négatif sur la société. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Mais ça ne sera pas pire avec la réalité virtuelle. Les gens sont déjà en train de se promener comme des zombies. Regardez les gens qui se servent de leur téléphone portable en marchant dans la rue ou en conduisant en voiture et qui causent pas mal d'ennuis. Il y a des gens qui meurent de cette manière. Les gens dans le monde de la réalité virtuelle, eux au moins, ils ne font de mal à personne. Ils sont vraiment en dehors de la vie. Ce qui est malheureux, c'est que quelquefois certains humains abusent de la technologie, ou des substances, ou de n'importe quoi. J'espère qu'avec la puissance qu'on a de communiquer des choses par la réalité virtuelle, avec les films, avec les livres, on utilise différents moyens pour diffuser des messages à des gens dont, je l'espère, qui n'auront pas ce côté destructeur. Et j'espère qu'on pourra se servir de tout ce potentiel pour changer les choses.
Une dernière question. Si nous vivons dans une simulation holographique, comme dans le film Matrix, également suggéré par la physique quantique d'aujourd'hui, que pensez-vous du transhumanisme et des sociétés de réalité virtuelle qui tentent de construire des mondes virtuels qui pourraient fusionner avec notre réalité 3D un jour? Pensez-vous que ça changera la manière dont la chaîne alimentaire fonctionne, dont elle impacte notre libre arbitre et notre capacité de décision? Est-ce que nous pourrions rester des esprits libres et des êtres souverains? C'est également une question très intéressante. La technologie comme la HoloLens est un très bon concept, mais elle n'est pas encore tout à fait au point à ce niveau. Si vous avez un champ de vision à 30 ou 40%, si vous avez des informations en plus, comme le nom de la personne, à qui vous parlez, tout ce genre de choses, c'est plutôt sympa et utile. Personnellement, j'ai du mal à me souvenir des gens. Ça rendrait les choses un peu plus faciles pour moi. Mais je pense que tout cela va prendre encore un peu de temps. L'autre point, concernant le libre arbitre, et comment ces technologies auront un impact sur notre société, eh bien, tout cela dépend comment notre société utilisera ces technologies. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les réseaux sociaux ou médias sociaux, c'est tout simplement antisocial. Ça ne rassemble pas vraiment les gens. Ça les aspire dans une réalité plutôt étrange. Et il est important de signaler qu'il y a une quantité incroyable de propagande. C'est une propagande très puissante. Il suffit de voir comment le Brexit et Trump ont été montés. Il y avait véritablement des sociétés qui faisaient des publicités très ciblées et toutes sortes d'analyses sur le plan individuel. Ils ne cherchaient pas vraiment à regrouper les gens, mais ils diffusaient un type de message très précis qu'ils généraient grâce à leur analyse de données gigantesques, en utilisant tous les likes sur lesquels vous avez cliqué et aimé. Ils peuvent ainsi faire d'excellentes prévisions de cette façon. C'est vraiment effrayant, parce que les gens deviennent vulnérables avec ça, et d'autres personnes peuvent en abuser. Tout cela demande énormément de lucidité, de clairvoyance, pour voir toutes ces influences qui existent, quelle est vraiment notre bulle de filtre, etc. Actuellement, on a un défi de taille à relever avec le nouvel ordre mondial. Il s'agit de surveiller le rythme de développement technologique en parallèle avec notre propre conscience et notre plénitude. Merci d'avoir participé à ce documentaire. Merci, ce fut un plaisir. Qu'est-ce donc que la réalité? Aujourd'hui, à l'heure de la retouche d'image, du développement de la réalité virtuelle, sommes-nous en mesure de distinguer le vrai du faux? Les concepteurs de ces jeux ont-ils conscience des impacts sur notre corps et quels sont leurs buts? Nous l'avons vu, 1947 a repoussé les frontières de notre vision du monde et un événement incroyable va bouleverser de plein fouet la place que l'on accorde à l'humain dans l'univers. Cet événement, c'est le crash de Roswell. Cette histoire est tellement célèbre que certains déclarent qu'il s'agit de la naissance de l'ufologie. Notons que c'est aussi en 1947 que Kenneth Arnold aperçoit des ovnis, et c'est donc cette année que l'on crée l'expression « soucoupe volante ». L'appellation générale de soucoupe volante, créée en 1947, fait sourire et va contribuer dès son apparition à décrédibiliser et ridiculiser le phénomène ovni. De nos jours, aussi bien dans les médias que lors d'une conversation, on entend régulièrement l'expression « petits hommes verts » pour désigner des entités d'origine inconnue. Voilà de quoi influencer les jugements et décrédibiliser rapidement n'importe quel témoignage. 21 juin 1947, l'incident de Maury Island, un exemple flagrant de désinformation. Un navire de garde-côte avec à son bord un homme, son fils, un chien et deux marins patrouille près de l'île Maury. Les passagers observent six objets d'une trentaine de mètres. L'un des ovnis est en difficulté et perd des morceaux de métal qui tuèrent le chien et blessèrent l'enfant. Les ovnis disparurent, mais le lendemain, un homme récupère des morceaux de métal et aperçut un ovni survolant le lieu. Kenneth Arnold enquête. Le pilote du navire, Harold Dahl, aurait reçu la visite d'un homme en noir, Men in Black, lui demandant de se taire au sujet de cet incident. Deux agents du renseignement repartirent avec des fragments métalliques
Mais 20 minutes après le décollage, un incendie se déclara dans leur avion qui s'écrasa près de Kelso dans l'état de Washington et les deux officiers périrent. Selon ce document déclassifié du FBI, la femme de Dahl était dans une colère folle après cet événement. Elle lui aurait demandé de dire que cette histoire était fausse pour être tranquille. Le journaliste de Boy Statesman aurait également affirmé avoir reçu des pressions pour publier un article racontant qu'il s'agissait d'un canular. Nouveau rebondissement en avril 2017. Le Sénat de Washington reconnaît l'observation mystérieuse des soucoupes volantes au-dessus de l'île Maury, l'apparition de l'homme en noir, ainsi que la mort des officiers du renseignement. Le Sénat en profite même pour faire ouvertement la publicité pour un film relatant l'événement, ainsi que pour le festival UFO de l'île Maury. Margaret, tu as interviewé un célèbre astronaute de la mission Apollo 14, le sixième homme sur la Lune, moins de 2 ans avant son décès. C'était en novembre 2014, et tu en as profité pour le questionner sur l'incident de Roswell, la ville tout près de laquelle il a grandi. Oui, Michel, il était bien placé à l'époque, puisque de retour à Roswell en 1971, eh bien, il a parlé à un employé des pompes funèbres qui a fourni les cercueils contenant les corps des aliens du crash. Il a aussi discuté avec un officier de police dont le père était impliqué dans l'enquête sur les débris de l'appareil. On regarde tout de suite en image. What prompted you get interested in the ET phenomenon? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au phénomène extraterrestre? Okay, well, I'll be glad to answer that. I was raised in the southwest of the United States on a ranch. And it was near the town of Roswell where the initial so-called Roswell incident or alien craft crashed in 1947. Donc il a été donc élevé à Roswell au Nouveau-Mexique dans le sud-ouest des États-Unis, là où il y a eu l'incident de Roswell en 47 où le vaisseau s'est crashé. And I was on my way to college at that, as graduated from high school and was on the way to college. Il était en route vers l'école en fait, l'université. And what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Well, on one day, the first day, the local newspaper, the Roswell Daily Record, alien spacecraft had crashed nearby. Okay. On the next day, the local U.S. Air Force officer in control of the local station said, no, that was an error. It was a weather balloon that had crashed. And denying that it was an alien craft. Now, that was in 1947? That was in 1947, right. July 1947. Okay. So I promptly ignored that and went off to college and forgot about it until I came back from the moon in 1971 and went back to my hometown out there to give talks and talk about it. And people who were descendants of individuals involved in the Roswell incident many years before said to me, including the undertaker, who the children of the undertaker, who had provided the coffins for the alien bodies, and they wanted to talk, and they told me the story was real. Okay. And then one of the sheriff's deputies or officers, who had directed traffic at the crash site, his children came to me and told me they wanted to tell me that their story was real, that was a real incident. Okay, let me back up a bit, because I need to translate to French. So that's a great story, but it's not a short one. Donc en fait, c'est en allant à l'école secondaire, donc, qui s'est aperçu qu'il y avait un incident. Effectivement, un officier de police et l'armée lui ont dit qu'il n'y avait rien circulé, il n'y avait rien à voir au moment du crash de Roswell. Bon, après, il n'y a plus pensé avec cette histoire de vaisseau alien qui serait crashé, qui serait tombé, chuté à Roswell.
Après sa mission lunaire, en 71, il est revenu dans sa petite ville et il a parlé effectivement à des gens dont les parents avaient été impliqués dans cette affaire, donc avaient récupéré ou étaient plus ou moins de près mêlés à la récupération du vaisseau, et également à la personne qui se serait occupée des pompes funèbres, oui le monsieur des pompes funèbres qui serait occupé des cercueils pour mettre les corps des aliens dedans. Et effectivement, il a aussi parlé à un officier de police dont le père était aussi avait participé à la récupération du crash. Donc tout portait tout a concouru à ce qu'il s'intéresse au phénomène à son retour après de la Lune. Après avoir parlé à des gens de première main, donc à des témoins de première main, donc qui étaient liés à cette affaire de Roswell. Donc évidemment, il y a eu un vrai crash de vaisseau alien. Did you get more information about what kind of craft it was and what kind of species or bodies were recouped? Est-ce que vous avez eu plus d'informations sur les corps qui ont été récupérés? Quel type d'alien et quelle sorte de vaisseau c'était? The answer is yes, I did. But let me add just one more. My family had a friend who was an Air Force officer at the local Air Force base that was doing all of this. Uh-huh. And so for that person, it was, and he happened to be a office mate or in the same office building with Jesse Marcel, uh-huh. Major Jesse Marcel, who went out to the local site and investigated it. And he assured me that we were dealing with a real phenomenon here. Mm-hmm. And it wasn't any make-believe or a story made up or a weather balloon. And, Et donc il a parlé à un officier de l'Air Force, de l'US Air Force, qui connaissait Jesse Marcel, le major Jesse Marcel, qui a enquêté sur le lieu du crash de Roswell. Et donc il lui a confirmé aussi que c'était bien une histoire réelle, véritable, qui s'était bien passée, donc un crash d'OVNI avec des corps. Was it two crafts or one craft? And how many alien bodies were recouped? Est-ce que c'était un seul vaisseau ou deux vaisseaux? Est-ce qu'il y avait plusieurs corps d'extraterrestres récupérés? There was presumably a second crash, but not close, nearby, not as near as that one, as the first one. Okay. And there were alien bodies in that one. Mm-hmm. And I know less about the other one. It was quite a much further away. And I do not have all of the data on that one. Okay. Donc il y a eu un second crash qui n'était pas au même endroit, qui était beaucoup plus loin. Il n'a pas toutes les infos là-dessus. Il y a là où ont été récupérés des corps, également les corps d'aliens. 6 semaines avant son décès, en 1982, le général Nathan Twining, qui devint chef d'état-major sous Eisenhower, a confié à son fils des détails étonnants sur la gestion du crash de Roswell en 1947, dont il était l'un des principaux protagonistes. À la fin des années 90, Nathan Twining Jr., son fils, a répété ce qu'il savait à la Britannique Joe Walters alors qu'elle séjournait chez lui avec deux amis dans sa propriété. Découvrons ce qu'il lui a révélé sur cette affaire. C'était il y a 15 ans, vers 1997 ou 1998. Je ne suis pas sûr qu'ils allaient à Roswell. Je ne me rappelle plus du nom du petit village en question. Quoi qu'il en soit, ce morceau de terrain qu'on nous a montré, que nous aurions acheté, était très proche de la zone 51, de la zone sous haute sécurité. Quand on est arrivé là-bas, j'ai tout de suite vu que Nathan Twining était très intéressé par le sujet OVNI. Il a dit quelque chose pendant qu'on mangeait. J'ai réalisé qu'on était à Roswell et qu'il était très bien informé. Quand il a vu que j'étais intéressé, il était très excité et prêt à parler. Mes deux amies, quant à elles, n'étaient pas du tout intéressées, ce qui m'a un peu ennuyé. En tout cas, nous avons eu tous deux une belle conversation. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a raconté ce fait extraordinaire.
Il était le fils du général Twining, l'un des trois chefs d'état-major dont le rôle a été décisif pour étouffer et minimiser toute l'affaire Roswell, remettre tout en place en 6 semaines. Je lui ai dit, je n'y ai jamais vraiment cru. J'ai toujours pensé qu'il y avait vraiment quelque chose, Nathan. Cette histoire de ballon météo, vous voulez dire? Oui, c'est ça. On savait qu'il y avait autre chose. Trop de gens différents en ont parlé. Quelque chose était arrivé et il ne s'agissait pas juste de ballons. Est-ce que son père racontait toujours cette histoire officielle? Il disait, oui, oublie ça, mon fils, ça n'a aucun sens, rien n'est arrivé. Mais ensuite, 6 semaines avant sa mort, alors qu'il savait qu'il allait mourir, il a dit à son fils Nathan, je ne veux pas mourir avec ça sur ma conscience. Je veux être droit et franc avec toi, comme tu as été droit avec moi. L'événement de Roswell était un vrai événement. L'un des êtres, je crois qu'il avait dit qu'il y avait 3 êtres à un moment, ou peut-être 5, je crois. L'un d'entre eux était encore en vie. Il a été emmené vers un lieu hautement sécurisé, dont j'ai oublié le nom. Ah, la zone 51, voilà. Et il y a vécu là-dedans pendant 15 ans. Le général lui rendait visite assez souvent et lui parlait. Il le respectait beaucoup et le considérait comme un ami. Je crois lui avoir demandé comment il communiquait. Je pense que la télépathie a été évoquée, mais je ne suis pas certaine. Je n'ai pas posé assez de questions. Je pensais qu'on pourrait se reparler une autre fois. Est-ce qu'il a pu décrire l'être en question? Non, non, il y avait tellement de choses que je voulais lui demander et je n'en ai pas eu le temps. La conversation a duré peu de temps car mes amis sont arrivés et tout le monde devait aller sortir pour dîner. Il n'y a pas eu un autre moment. À un moment, pendant qu'on se tenait devant sa fenêtre de l'entrée, une femme est passée devant. C'était une abductée. Et il a dit, « Cette femme porte un implant, celle qui vient de passer. » Ce sont les seules informations que j'ai recueillies quelques heures plus tard. On devait partir, sortir voir les terrains. Cette conversation interrompue, tronquée, était trop courte. Est-ce que vous avez gardé contact avec Nathan Twining Jr.? J'étais tellement stupide à l'époque, j'étais plus jeune. J'aurais agi différemment aujourd'hui. Je n'y ai même pas écrit une lettre de remerciement. C'est terrible. Nous étions l'un comme l'autre partant pour rester en contact tous les deux. Il m'a donné une sorte de CD avec de la musique qu'il avait composée dessus. Je ne l'ai même pas écouté. Je suis revenu et je l'ai perdu. Joe, puis-je vous demander dans quel état il se trouvait lorsqu'il vous a raconté tout cela? Lors de notre premier contact, vous étiez très hésitante pour témoigner de cette histoire. Vous avez laissé de côté des choses que vous n'aviez pas encore faites. Dans notre conversation, il m'a dit, vous savez, c'est très confidentiel. Avant d'aller plus loin, il me regardait presque comme effrayé pendant un moment. Je n'ai pas pris ça trop sérieusement. Il ne m'a pas dit au début qu'il serait menacé. J'ai entendu dire que les trois hauts gradés pourraient avoir des ennuis au niveau fédéral s'ils divulguaient quoi que ce soit à ce sujet. J'ai aussi lu qu'un capitaine quelque chose avait emporté un débris de l'appareil chez lui. Jesse Marcel? Jesse Marcel, oui. Il a eu sa carrière brisée. Il a été forcé de céder le morceau de métal. Un des hauts gradés l'a gardé et il a disparu. Il savait que j'allais essayer d'en savoir plus. Je ne voulais contrarier personne. Avoir des problèmes avec l'État américain, ce n'est rien. Mais je ne voulais pas que Nathan ait des problèmes. Comme je vous l'ai dit, Joe, quand je vous l'ai rapporté, j'ai fait une ou deux enquêtes moi-même pour savoir si Nathan était toujours vivant. Je ne sais pas quel est son âge, mais il est probablement dans vos âges ou proche des 85 ans. Et on m'a dit qu'il était difficilement joignable à cause de son âge et son état de santé, ou les deux.
Sûrement plus joignable pour dissiper vos inquiétudes à son sujet. C'est ce qui me préoccupait. Oui, c'est tout à fait exact. L'important dans la divulgation, c'est d'exposer les faits. On collecte des informations qu'on met à la disposition du public pour qu'il les examine. Il a dû confier cette histoire à d'autres personnes. Je pourrais même me retrouver à la place du moine qui pensait avoir inventé la bicyclette en 1920. J'ai fait quelques recherches, peut-être pas assez approfondies. Je n'ai trouvé nulle part de traces du général Twining, le père, parlant du crash. En fait, il a dit qu'aucun débris n'avait été retrouvé. Toutefois, son mémo, le Twining mémo, raconte que ces objets étaient bel et bien réels. Ce mémo fut rédigé en septembre 1947, trois mois après le crash de Roswell. Ainsi, il aurait bel et bien participé aux événements et aurait été en contact pendant 15 ans avec l'extraterrestre survivant du crash, un extraterrestre sur lequel nous n'avons pas plus d'informations. En fait, clairement, il en savait beaucoup sur ce qui se passait. Le fait qu'il se confie à son fils, six semaines avant sa mort, fait de ce témoignage une véritable confession sur son lit de mort. Il doit bien y avoir d'autres personnes qui travaillaient dans cet endroit de haute sécurité. Oui, bien sûr, Joe. Gardez en tête ceci. C'est que ni vous ni moi ne sommes tenus par le secret officiel, mais eux le sont. Le fait que Nathan Twining Jr., dont je ne connais pas le rôle précisément, se sentait inquiet par rapport à cette révélation, il y a 15 ans de ça, voulait dire qu'il sentait une sorte de mise en danger, d'une façon ou d'une autre. Il n'occupait pas le même poste que son père, mais il était gradé. Il avait un rôle dans l'armée ou des liens avec l'aviation, en quelque sorte, et était probablement tenu au secret militaire. Je ne sais pas. Il faudrait que je continue l'enquête. Et je dois vous remercier chaleureusement, Joe Walters, de nous avoir consacré un peu de votre temps. Vous méritez maintenant un bon café. Dans une directive datée du 8 juillet 1947, Eisenhower s'adresse au général Twining. Vous vous rendrez sans délai au centre de commandement du site d'essai de White Sands dans le but de faire une évaluation des objets non identifiés détenus à cet endroit. Vous prendrez avec vous autant d'experts, de techniciens, de scientifiques et d'assistants que vous jugerez nécessaires pour l'accomplissement de votre mission. Si cette directive est datée du 8 juillet 1947, c'est pour officialiser des consignes qui avaient été données quelques jours auparavant. Arrivé sur les lieux, le général Twining n'est pas le seul à enquêter. L'IPU, Unité des phénomènes interplanétaires, créée en 1942 par le général Marshall, est également sur place et on peut consulter son rapport. On apprend dans ce rapport que Twining était déjà sur place dès le 7 juillet 1947 et pendant trois jours, il a pu s'entretenir avec du personnel sur place et inspecter des pièces de vaisseau, dont un générateur, qui a pu être récupéré. Toujours dans le rapport de l'IPU du 22 juillet 1947, il est noté que la station radar de Kirtland avait repéré les objets le jour du crash, que le colonel Hasbrouck était chargé de sécuriser les lieux et que le scientifique allemand Werner von Braun, issu de l'opération Paperclip, s'était également rendu sur place, mais que l'accès fut refusé au FBI. Cette dernière information est d'ailleurs confirmée ailleurs dans un document déclassifié écrit par Edgar Hoover lui-même, directeur du FBI, daté du 10 juillet 1947. Nous insistons sur l'accès complet au disque récupéré. Dans le cas de LA, l'armée l'a récupéré et nous en a refusé l'accès, même pour une inspection sommaire. Le 16 juillet 1947, le général Twining fait parvenir un rapport de trois pages à l'armée de l'air à Washington. Il fait état du crash de deux disques près de White Sands, au Nouveau-Mexique. Il ne s'agit pas du crash de Roswell. Le premier disque fut récupéré près de Victoria Peak, près du site d'essai balistique de White Sands, et le second à Socorro. Le 19 septembre 1947, Twining rend un rapport de 19 pages, le projet White Hot Intelligent Estimate au gouvernement américain.
Dans son rapport, il indique que ces vaisseaux ne sont pas d'origine américaine pour plusieurs raisons. Le design circulaire qui ne ressemble à aucun autre appareil, le système de propulsion incroyable, pas de propulsion à hélice, ni de prise d'air du générateur, et le fait que les scientifiques allemands semblaient également perdus face à cette technologie, alors que l'AMC, Air Materiel Command, commençait tout juste en 1947 à travailler sur des systèmes de turbines sans pales imaginés par Tesla. Une autre histoire moins connue s'est déroulée en 1947 en Europe. Il ne s'agit pas d'un crash, mais d'une incroyable rencontre du troisième type. Dans le cadre de l'année 1947, nous allons maintenant vous diffuser une interview de Prospera Muñoz. Il s'agit d'un cas d'abduction qui a marqué l'Espagne cette année-là. Sa dernière interview vidéo française remonte à celle de Jimmy Gueux. Buenos días. Aujourd'hui, nous recevons Prospera Muñoz, qui va répondre à nos questions et nous raconter ses expériences en 1947. Bienvenida, Prospera. Merci. Enchanté d'être avec vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous pour votre intérêt. Nous allons parler de votre cas de rencontre et d'abduction en 1947. Prospera, vous aviez 7 ans, votre sœur avait 11 ans. Comment viviez-vous durant cette période et en quel état émotionnel étiez-vous quand cet événement s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu? À l'époque des faits, en 1947, j'avais 8 ans et ma sœur avait 12 ans. Nous vivions normalement, jusqu'au moment où nous avons vu, à travers la fenêtre, un engin. Nous pensions au début qu'il s'agissait d'une voiture, mais nous nous sommes vite rendus compte qu'il n'en était rien. Cet engin survolait le sol de très près, et il avait une sorte de dôme transparent. Ma sœur avait peur et a voulu fermer la fenêtre, car nous étions seuls à la maison. Mais moi, j'avais envie de m'approcher de l'engin. Mon père nous avait dit auparavant de n'ouvrir à personne. Alors que nous étions en train de débattre sur ce sujet, deux individus sont sortis de l'appareil. Le plus grand avait la taille de ma sœur, environ 1m40. Il portait une tenue blanche d'une seule pièce, ce qui nous a beaucoup marqués. Ils ont ensuite ôté une sorte de casque qui avait la forme d'un bocal. Puis ils sont rentrés et ont demandé un verre d'eau. Nous n'avons pas été surprises par cette demande, car nous vivions dans un lieu isolé et désert. Les deux êtres, comment ils sont rentrés déjà dans la maison? Ils sont passés à travers les murs? Ils sont entrés par la porte de manière tout à fait normale. Alors, la porte était fermée? Je pense que la porte était ouverte parce qu'on la laissait ouverte habituellement, mais ma sœur croit qu'elle était fermée. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas rentrés de force. D'accord. J'aimerais revenir sur l'épisode du verre d'eau qui est assez étrange, le fait que l'un des êtres ait demandé un verre d'eau. Est-ce qu'avec le recul, elle ne pense pas que c'était une mise en condition psychologique où en fait, on demande d'abord quelque chose à quelqu'un pour obtenir un consentement pour la question suivante, en fait? Oui, c'est exact. Mais cette entrée en matière ne nous a pas semblé étrange sur le coup. Elles étaient en confiance, en fait. Nous n'avions pas vraiment peur, mais comme ma sœur était plus âgée, elle veillait à ce que nous restions en sécurité. En dehors de cela, tout semblait calme. Ces êtres nous ont alors demandé de faire une expérience avec eux. Ils m'ont choisi moi, la plus jeune, car je pense que j'étais la plus malléable. Est-ce qu'elle était en semi-hypnose, par exemple? Est-ce qu'elle a remarqué quoi que ce soit comme ça? J'étais bel et bien consciente, et je peux vous assurer que je n'ai ressenti aucun état de conscience modifié à ce moment-là. Par contre, une fois qu'ils m'ont choisi, je suis en effet rentrée dans un état de conscience modifié, puisque d'un seul coup, il m'a semblé les reconnaître et comprendre pourquoi ils venaient me voir. Ces informations sont arrivées en moi instantanément.
Elle peut nous parler des traces physiques, maintenant tout l'aspect physique, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a tenu aussi la main d'un des êtres. Et à la fin de la rencontre, il y avait aussi des traces sur des fruits, des bocaux, etc., où la nourriture était comme pourrie ou était dégradée. Et même son chien avait la patte enflée. Oui. En fait, la conversation que nous avons eue avec ces êtres était pour moi le plus extraordinaire, car nous avons parlé de tellement de choses. Mais pour en venir aux traces physiques, je peux déjà vous parler de mon chien. D'habitude, il était toujours sur ses gardes. Mais lors de cet événement, non seulement il dormait, mais ses membres semblaient totalement raides, comme s'il était paralysé. Lorsque l'engin est reparti, il était environ 11 heures du matin, et nous avons vu que cet engin brillait encore plus fort que le soleil. Cette lumière inondait véritablement l'ensemble de la maison. Mon oncle, qui travaillait non loin de la maison, a aperçu cette lumière. Il a vu l'engin partir et il est donc venu en courant, car il pensait qu'il venait de se passer quelque chose. Nous avons donc un troisième témoin. Le chien a fini par se réveiller. Nous avions aussi une réserve où nous entreposions de la nourriture. Pendant deux jours, ni mon père ni mon oncle n'ont réussi à ouvrir la porte de la réserve. Lorsque nous avons pu ouvrir la porte, nous avons constaté que les aliments étaient pourris. Le fait que des légumes pourrissent peut se comprendre, mais le fait que des légumes secs entreposés dans des bocaux hermétiques pourrissent, eux aussi, si rapidement, semblait vraiment improbable. Ma sœur s'est également rappelée que ces êtres nous avaient recommandé de nous laver avec beaucoup d'eau. Aussi, lorsque les êtres sont repartis, les motifs de couleur qui étaient normalement présents sur nos robes avaient totalement disparu. Nos robes étaient entièrement blanches. Autre fait troublant, nous avions un service à café dont les petites assiettes étaient cassées en plusieurs morceaux et les petites tasses étaient, elles, en miettes. Même chose pour la poterie dans laquelle nous mettions le pain. Et est-ce qu'elle peut nous raconter ce qui s'est passé à l'intérieur du vaisseau quand elle était sur la table chirurgicale? Et quel message télépathique ils lui ont envoyé? De nuit après cet événement, je me suis réveillée la nuit et j'ai vu les êtres devant ma fenêtre. Ils m'ont alors demandé de venir avec eux. Ma sœur pense que c'était au mois d'août, et moi en mai, en raison de certains détails. Mais en tout cas, nous nous rappelons toutes les deux qu'il faisait chaud. Je pense que les implants que j'ai reçus servent à repérer ma localisation, car j'ai eu d'autres visites plus tard. Et les quatre fois où c'est arrivé, ils savaient toujours où je me trouvais. J'ai passé un IRM, mais rien d'anormal n'a été détecté. Tout d'abord, en 1954, à Romilla, mon père tenait une cafétéria. Un jour, alors qu'il n'avait pas de clients dans l'enseigne, les êtres sont entrés pour me voir. Ils ont commandé un café, et l'un d'entre eux a déclaré « Nous allons nous présenter auprès d'elle ». Mais l'autre a rétorqué « C'est inutile, elle ne peut pas savoir ». Ils n'ont pas bu leur café, mais ont tout de même réglé leur consommation. Au moment de payer, mon père a remarqué qu'il leur manquait un doigt. La serveuse était aussi témoin de tout cela. Ils portaient une sorte de gabardine avec un col montant et un chapeau. Leur tenue attirait l'attention. C'est lorsque les êtres ont récupéré leur monnaie que mon père a vu qu'ils n'avaient pas de pouce. En fait, ils n'étaient pas habillés en noir, mais portaient une gabardine beige. Et leur apparence physique était bien celle de petits gris. Ce n'est qu'après avoir retrouvé la mémoire quelques années après que j'ai reconnu que ces entités étaient les mêmes que lors de ma première visite. Mais à l'époque, je pensais que c'était des gens du cirque qui se trouvaient à proximité. Ensuite, quand je suis allée à l'extérieur, j'ai vu qu'ils étaient plus nombreux, environ 25 individus, dont certains étaient plus grands. Ils faisaient plus de 2 mètres de hauteur et ils avaient des mouvements robotiques. Je pense qu'il s'agissait de sortes de robots. Ils étaient occupés à ramasser des choses au sol. L'un des plus grands tenait mon chien dans ses bras. Nous avons donc avancé jusqu'au bas de la montagne où se trouvait un vaisseau, de même apparence que le premier, mais cette fois, il était beaucoup plus grand. Sa hauteur représentait environ une maison de 2 étages,
Il y avait encore plus de monde qui m'a accueilli. Ils ont amené le chien derrière le vaisseau, donc je n'ai pas pu voir ce qu'ils ont fait de lui ensuite. Lorsque j'ai pénétré dans le vaisseau, j'ai vu une grande console. Les êtres près de la console semblaient surveiller toute la zone à l'aide d'écrans de contrôle. On m'a alors présenté un grand écran sur lequel j'ai pu voir mon père, mon oncle, ma sœur et moi-même. On aurait dit qu'ils nous avaient filmés et on voyait que nos corps irradiaient une magnifique lumière très intense. Les êtres nous ont expliqué que c'est à cause de cette énergie que nous émanions qu'ils nous ont repérés et choisis. L'être qui était à mes côtés et que j'avais vu le matin donnait des ordres aux autres. Ensuite, je suis sortie du vaisseau et j'ai vu un grand faisceau de lumière dans le ciel. Ce faisceau de lumière aspirait les êtres, leur permettant d'accéder à un vaisseau encore plus grand. Est-ce qu'elle peut nous raconter l'épisode à l'intérieur du vaisseau? Donc c'est la suite, hein, c'est ça. Deux jours plus tard, ils sont revenus et ils vont l'emmener à bord du vaisseau. Lorsque je suis rentrée dans cet autre vaisseau, j'ai aperçu une table d'opération, mais qui était beaucoup plus petite que mon corps, et cela a retenu mon attention. L'un des êtres a suggéré de m'anesthésier, mais le chef a répondu que c'était inutile, car j'étais assez docile. Ils m'ont alors déshabillée avant d'entamer leurs examens. Les êtres avaient des gestes très mécaniques, comme des robots. J'ai alors vu 6 ou 7 êtres en tenue médicale, prêts à m'ausculter. J'ai alors pu observer leurs instruments et j'ai aussi vu qu'ils n'avaient pas de pouce. Je leur ai demandé s'ils avaient tous 4 doigts. Et soudain, ils ont tous levé leurs mains pour montrer qu'ils avaient bien 4 doigts, excepté une femme. Ils m'ont expliqué qu'elle était terrienne. Ensuite, on m'a montré un grand écran et on m'a expliqué qu'on allait m'implanter des sortes de petites capsules. Sur cet écran, je voyais les 2 hémisphères de mon cerveau. Ils ont alors fait une injection à travers ma nuque et sur l'écran, j'ai pu voir une capsule qui s'est logée à environ 2 cm au-dessus de l'oreille, du côté de l'hémisphère droit. J'ai alors dit que je ne raconterais pas aux humains que j'avais ces capsules en moi. Ils m'ont alors répondu que ce n'était pas la peine, puisque de toute façon, ils ne savaient pas comment l'ôter. Ensuite, lorsque je suis rentrée chez moi, tout le monde dormait dans la maison. Il était très tard, mais je ne me suis plus rappelée de rien. À ce moment-là, nous, les filles, vivions avec notre oncle. Celui-ci a déclaré à notre père qu'il voulait quitter cet endroit, car il se passait des choses trop étranges. La journée qui a précédé cet événement, nous étions allés dans une ville voisine où un berger nous avait expliqué qu'il avait retrouvé 3 de ses chèvres vidées de leur sang avec leurs parties génitales complètement découpées. Je me souviens que mon oncle a eu très peur en écoutant cela. Nous sommes rentrés à la maison et pendant la nuit, notre chien est devenu complètement fou. C'était la veille de l'événement que je vous ai raconté. Concernant le chien, j'ai aussi remarqué qu'il avait 2 traces de piqûres au-dessus de l'oreille. Lorsque notre chien est mort de vieillesse, à 16 ans, mon oncle a enterré l'animal dans notre livret. Il a mis une croix sur sa tombe et a fait une prière pour lui, car nous l'aimions beaucoup. Or, quelques mois plus tard, mon oncle a remarqué un jour que la terre était toute retournée et le corps du chien avait disparu. Mon oncle a accouru pour raconter cela à mon père. Je me souviens que les êtres m'avaient expliqué que lorsque mon chien décéderait, et également lorsque je décéderais, il viendrait récupérer les corps. Elle a vu leurs doigts, non ? Les êtres avaient une peau blanche. Après l'opération, je me souviens que le chef a ôté un gant et m'a pris la main, alors que les autres êtres à ses côtés semblaient, eux, horrifiés par ce geste. Là, j'ai pu sentir que ses doigts étaient très fins, très squelettiques, avec très peu de chair. Les doigts étaient très allongés et leurs extrémités étaient de couleur violacée. Puis le chef a remis son gant. Est-ce qu'à bord du vaisseau, il y avait un dialogue mutuel entre eux, ou alors elle recevait simplement des ordres, des instructions, et est-ce qu'elle avait la sensation d'être leur prisonnière, un sujet d'expérience de laboratoire ou pas? Il n'y avait pas d'ordre. C'était un simple échange. Et depuis le début, il m'avait demandé ma permission. Et comme j'étais en état de conscience modifiée, j'ai accepté cet échange d'informations.
Ils m'ont aussi expliqué que quand on venait sur Terre, c'était comme si on choisissait une école, une université. Moi et ma sœur, nous venons de là-bas. C'est comme si nous étions en mission. Nous avons notre double identique qui est là-bas. Je me souviens qu'à la suite d'une émission de radio, Jean-Pierre Garnier-Mallet m'a contacté pour me dire que cette idée de double est une théorie de physique quantique. C'est ce qu'ils lui ont dit pendant, télépathiquement pendant l'expérience, en fait, c'est ça. Je ne sais pas s'il s'agissait de télépathie, mais il s'exprimait dans un castillan parfait. Et donc l'origine, ils ont parlé de quelle planète à un moment de leur origine? Ils m'ont expliqué qu'ils venaient de Vénus, mais pas la planète que nous connaissons. Mais je n'en sais pas plus. Et est-ce qu'elle a des souvenirs, parce qu'après elle pourra continuer les autres rencontres, hein, qu'on finisse les rencontres, des souvenirs d'impressions de grossesse interrompues dans sa vie? J'ai vécu un avortement, mais je ne crois pas qu'il y ait un lien quelconque avec toute cette histoire. C'était un avortement de seulement quelques jours qui s'est passé normalement. On en était donc après l'expérience des petits gris, en Kabardine. Il y a eu quoi d'autre après? La troisième rencontre s'est déroulée à Playa de San Juan. Mon père avait un commerce à l'époque et je travaillais dans un centre d'appel téléphonique. À l'époque, je recevais des lettres de mon fiancé. J'étais donc en train de lire une lettre sur la plage lorsque soudain, j'ai vu les deux êtres venir de la mer. C'était comme s'ils étaient déguisés. Ils portaient des palmes de plongeur, un harpon, une chemise ouverte, une casquette. Ils se sont approchés de moi et ont entamé une conversation entre eux. L'un a fait remarquer à l'autre « Tiens, elle est amoureuse. Elle porte des lunettes. »« Oui, mais ce n'est pas de notre faute, » répond l'autre. Ils ont également remarqué que j'avais un problème de dentition. Et c'est d'ailleurs un problème que j'ai su beaucoup plus tard. J'étais exaspérée de leur présence et je leur ai demandé de partir. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression qu'ils reviennent pour faire un bilan de mon état, de l'évolution de ma vie. C'était encore ces deux mêmes êtres. Donc après, ils sont repartis. Ça, c'était la troisième expérience, hein, c'est ça. Et la quatrième a eu lieu. Lors de leur quatrième visite, ma fille n'avait que 2 ou 3 mois. C'était en 1972. Ils sont venus alors que j'étais en plein travail dans le centre d'appel où je travaillais. Ils avaient encore leur sorte de gabardine et leur chapeau. L'un d'entre eux a insinué que je ne me sentais pas bien à cause de la dépression postnatale, le baby blues. Dans leur conversation, c'est toujours le chef qui donne des explications à l'autre. Ça donne un côté mise en scène à leur apparition, où je peux entendre leur conversation télépathique. L'exécutant disait « Elle devrait être en pleine santé à son âge. » Et son chef lui expliquait que tout cela était normal. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que des gens les ont vus là-bas. Il y avait des témoins. Une collègue se demandait même qui étaient ces gens si laids. Lorsque j'ai témoigné à la télévision, cette même collègue de travail est revenue me voir pour me dire qu'elle se souvenait très bien de cet épisode et de ces êtres. C'était en juin, il faisait très chaud. Alors les gens étaient vraiment surpris par leur tenue. En fait, à chaque fois que j'avais des visites, j'oubliais de suite ce qui était arrivé. Est-ce qu'elle pense que tout ça a eu des incidences sur sa vie? Est-ce qu'à chaque fois qu'elle a eu ces expériences, finalement, est-ce qu'elle a l'impression, avec le recul, que sa vie est partie dans d'autres directions? Ma vie a commencé à changer que lorsque j'ai commencé à me souvenir de ces événements, mais les visites en elles-mêmes n'avaient pas d'incidence sur ma vie. Le fait que ma collègue de travail soit venue me confirmer ces souvenirs est vraiment intéressant. Est-ce qu'elle a eu des effets secondaires après son abduction? On sait qu'il y a une amnésie jusqu'à 79, hein, c'est ça? Quand j'ai commencé à me remémorer de tout ça et à parler, j'ai eu beaucoup de journalistes et j'ai eu un stress post-traumatique pendant quelques jours. Je suis passée par des états émotionnels que j'ai dû surmonter. Il m'a fallu du temps, plus de 6 ans, pour retrouver tout ça. En fait, je pense qu'il s'agit d'une protection pour que je puisse digérer ces événements.
Et qu'est-ce qu'elle a tiré, en fait, comme élément positif ou négatif, je ne sais pas, de toutes ces expériences? Est-ce qu'il y a, selon elle, des critères spécifiques pour que ça soit arrivé à elle? Je ressens toutes ces expériences de manière positive. Au moment où je me suis souvenue de tout cela, j'étais adulte et j'avais un schéma mental déjà tout tracé. Ma vie était ordonnée et il m'a fallu reprendre tout à zéro concernant la vision de la vie en général. Autrefois, j'étais catholique. Mais désormais, je ne suis plus croyante. Depuis, j'ai aussi gagné beaucoup d'amitié qui m'apporte beaucoup. Toutes ces connaissances sont une véritable richesse. D'un autre côté, il m'a fallu assumer toute cette histoire. Il m'a fallu du temps avant d'accepter tout ça. Mais grâce à toutes les personnes qui sont venues me voir, qui se sont intéressées à mon cas, les autres témoignages que j'ai découverts, j'ai compris que tout cela était bel et bien réel. Et j'ai enfin accepté. Elle pourrait nous parler un petit peu des expériences qu'elle a, je vais dire le mot subi, mais qu'elle a vécues à l'intérieur du vaisseau. Lors de l'examen, j'ai eu des prélèvements anal, vaginal, de la peau, des sourcils et des cheveux. Comme je me suis intéressée au phénomène, je constate que les abductés sont choisis pour leur bonne génétique. Donc, si elle a appris beaucoup sur cette réalité, sur ses expériences de conscience, elle a lu beaucoup de témoignages d'autres abductés, elle a dû remarquer que dans beaucoup de témoignages, les extraterrestres qui enlèvent ces abductés leur tiennent le même discours, en gros, en les calmant, les anesthésiant un petit peu au niveau de la conscience, leur disant qu'ils font partie du même endroit et qu'ils ont un double... quelque part sur leur planète, ils font partie de l'expérience, ils sont venus en mission pour eux. C'est toujours en fait la même histoire que ces extraterrestres racontent à tous les abductés. Elle en est consciente de ça? Je pense que mon témoignage reste unique. J'ai lu des témoignages négatifs, où parfois des témoins souffrent. Je crois en leur sincérité. Mais le point commun à nos vécus, c'est que nous subissons ensuite un changement. En tant que témoin, nous changeons vraiment notre optique, notre vision sur la vie. Et c'est surtout ça que je retiens personnellement. C'est comme une nouvelle pièce qui vient dans notre puzzle et que l'on doit placer quelque part. Et moi, j'ai dû casser l'ensemble du puzzle pour pouvoir le reconstituer. Du fait d'avoir vécu ces expériences, comme quelques témoins de par le monde, je sens qu'il est de mon devoir de témoigner. Et je le ferai jusqu'à ma mort. Est-ce qu'elle a des cas dans sa famille de même type de rencontres? Il n'y a pas d'autres cas d'abduction dans ma famille à ma connaissance, mais je sais que ma mère et ma grand-mère étaient dotées de fortes prémonitions. Est-ce qu'elle fait aussi un parallèle avec, parce que nous on est sur l'année 1947 hein, dans ce documentaire, avec les événements de Roswell, parce qu'il y a eu le crash de Roswell, il y a eu d'autres crashs aussi pendant cette année-là, et puis on date souvent l'histoire de l'ufologie à 1947, avec justement l'épisode de Roswell. Concernant le parallèle avec l'histoire de Roswell, je n'en sais rien. Je n'ai pas moyen de tirer des conclusions à ces sujets. Mais par contre, je n'exclus pas le fait que ces êtres proviennent d'une autre dimension et ne soient finalement pas d'origine extraterrestre. De nos jours, le fait que des chercheurs s'intéressent aux théories de multiples dimensions se rapproche de ma vision des choses, même si cela reste des hypothèses. Il peut également s'agir d'êtres provenant du futur. Le fait est que ces êtres m'ont parlé de mon futur lorsqu'ils sont venus me voir. Donc, ils doivent avoir accès à certaines informations. Maintenant, en 2017, avec la publication récente de mon livre, mon histoire fait son chemin et se répand. Actuellement, les gens sont beaucoup angoissés et inquiets envers l'avenir. Mais il ne sert à rien d'attendre un hypothétique sauveur ou une divulgation quelconque. Personnellement, je n'adhère pas à tous ces courants où soi-disant des êtres vont venir pour nous sauver. C'est à nous de prendre notre avenir en main. Avec tout ce qu'elle a vécu maintenant, est-ce qu'elle serait volontaire pour faire une régression hypnotique? J'ai fait deux régressions hypnotiques qui n'ont pas vraiment apporté d'éléments supplémentaires par rapport à mon histoire. Par contre, je suis volontaire dans le cas où des scientifiques s'intéresseraient à mon cas. Mon cerveau pourrait peut-être révéler d'autres choses qui pourraient faire avancer la recherche. Moi-même, je souhaite encore en savoir plus et je suis ouverte à tout travail de recherche sérieux dans ce domaine. À partir du moment où j'ai commencé à me souvenir, ces êtres ne sont plus revenus.
Merci beaucoup. Merci énormément et merci pour tout ce temps passé avec nous et cette patience et cette pêche. À votre âge, vraiment, on apprécie toutes vos expériences détaillées. Beaucoup. Et puis, bravo, bravo, muchas gracias. Alors que les surprenantes découvertes scientifiques se succèdent, au cours de l'année 1947, on assiste parallèlement avec la reconstruction de l'après-guerre à la naissance de la société de consommation. Toujours cette même année, naissent de grandes marques devenues aujourd'hui de véritables symboles du luxe. On peut par exemple citer la marque automobile Ferrari ou encore les parfums Christian Dior. Les inégalités se creusent et c'est aussi la création d'Emmaüs. Tout semble aller si vite. Alors qu'autrefois il fallait attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour développer une photo, celle-ci devient instantanée, avec l'apparition des appareils photo Polaroid. La spirale de l'argent, de la consommation et du crédit est en marche, rendant chaque jour le peuple un peu plus dépendant. Avec le plan Marshall de 1947 et l'argent virtuel déposé aux banques, l'Europe est enchaînée aux États-Unis pour sa reconstruction. Aujourd'hui, en 2017, l'argent devient de plus en plus virtuel, et il est question de vouloir faire disparaître d'ici quelques années l'argent liquide. L'enchaînement virtuel sera total, alors qu'une grande majorité des foyers sont déjà liés à un contrat, un crédit. Ils ont signé un pacte. Avec ce consentement, les banques gagnent chaque jour toujours plus de terrain sur la scène politique. L'enchaînement virtuel. Vous serez probablement surpris d'apprendre que la République française est en réalité une entreprise. L'entreprise République française Présidence a été inscrite au registre du commerce le 16 janvier 1947, exactement le même jour où Vincent Auriol est devenu président. Puisque le président dirige une entreprise de 800 à 899 salariés, qui sommes-nous réellement ? Nous, soi-disant des millions d'autres citoyens qui se soumettent au choix de cette entreprise. Ainsi, tout comme l'avènement du crédit, des dettes avec la société de consommation, il est à nouveau question d'un consentement virtuel de la part des citoyens. Dès sa naissance, le citoyen est endetté et il porte toute sa vie ce fardeau qui lui a été imposé. Le psychologue américain Jérôme Brunner réalise une expérience en 1947 qui prouve à quel point l'être humain est conditionné, influencé par la société dans laquelle il vit. Lors de son expérience, il est demandé à deux groupes d'enfants d'estimer les dimensions de différentes pièces de monnaie et de jetons en carton. Tous les enfants ont tendance à surestimer la taille des pièces, plus la valeur de la pièce est importante. Les estimations relatives aux pièces de carton sont plus justes. Les enfants issus d'un milieu favorable sont plus proches de la réalité dans leur estimation de la taille des pièces, tandis que ceux d'un milieu défavorisé ont une tendance à surestimer. Ainsi, on pourrait presque dire que l'argent rend aveugle. Le métal influence nos comportements quotidiens et notre perception du monde. Et pourtant, force est de constater que beaucoup d'entre nous portons de nos jours des montres en métal, des bijoux, des smartphones, des piercings. Et il s'agit donc de la manifestation directe de notre enchaînement, de nos menottes dans cette matrice. Alors qu'il travaille sur la fabrication de radars au sein de l'entreprise Raytheon, et plus particulièrement sur des appareils appelés magnétrons émettant des micro-ondes, l'ingénieur américain Percy Spencer découvre par hasard la faculté des micro-ondes à chauffer des aliments. Il commercialise en 1947 le premier four à micro-ondes, appelé Radarange. En 2017, des scientifiques de la Cleveland Clinic publient un communiqué d'alerte demandant aux gens de ne plus utiliser de plastique dans un four à micro-ondes, même ceux reconnus comme micro-ondables, à cause du bisphénol A, dont les dangers sont reconnus sur le cerveau, les glandes prostatiques des enfants ou encore des risques d'augmentation de la pression artérielle. La société de consommation s'accompagne bien entendu par la hausse des productions, conduisant à certaines dérives dangereuses avec la production à moindre coût. 1947, c'est ainsi la création de l'AK-47, l'arme de combat la plus efficace et la plus prolifique du monde. Un produit tellement peu coûteux et tellement simple à fabriquer qu'on peut s'en procurer dans beaucoup de pays pour le prix d'un poulet, d'après le Washington Post. Toujours la même année est créée l'AK-47 des mers, l'arbalète de pêche sous-marine. Certains commencent à s'inquiéter de ce basculement vers un monde nouveau. S'agira-t-il d'un avenir meilleur ? Savez-vous que peut-être demain les rues de Paris seront privées d'agents ? Il suffira qu'elles soient balayées par des caméras de télévision. Et à la préfecture, des fonctionnaires attentifs surveilleront sur de multiples écrans la vie de la capitale. Tiens, un voleur ! On le poursuit vainement car il a de bonnes jambes. Pourquoi d'ailleurs courir après lui ? On le voit si bien sur les écrans se sauver, prendre une rue à gauche, une rue à droite. Il est haletant, comme il se doit. Il va passer par ici.
Envoyez deux motocyclistes à l'intersection de la rue Mazarine et de la rue de Seine. Il suffira d'envoyer des agents à sa rencontre. Les bouleversements technologiques à ce stade de l'ère industrielle et la société de consommation ne seraient-ils pas des leurs pour mieux enfermer le peuple et le rendre de plus en plus dépendant ? Bonjour Wayne Bush, merci d'avoir accepté de faire partie de ce documentaire. Merci à vous pour votre accueil. Le premier bug informatique fut découvert par Grace Hopper et le premier jeu vidéo fut également créé en 1947. Toujours la même année, Dennis Gaber inventa l'hologramme. Toutes ces inventions font désormais partie de notre vie courante. Mais jusqu'où va cette notion d'hologramme, de jeu vidéo dans notre réalité? Est-ce que cette réalité existait depuis bien avant 1947? Et depuis quand exactement, selon vous? En fait, la matrice et l'hologramme ont existé depuis le tout début de l'humanité. Dans un passage du texte sumérien, Enki et l'ordre du monde, il est noté « comme les cieux eux-mêmes, ou juste la matrice dans laquelle l'équipage de Dieu peut naître hors d'atteinte ». Les gnostiques font donc référence à l'univers comme s'il s'agissait d'une copie holographique. Il y a 2000 ans, dans le livre gnostique sur l'origine du monde, il est noté « la ressemblance émanée devint un produit ressemblant à la vie primitive et s'est manifestée comme une ressemblance des cieux ». Donc la mise en place du véritable hologramme, la matrice, date de bien avant 1947. Votre site internet explique comment nos âmes sont programmées lors de la mort pour être recyclées en énergie et le fait qu'elles pourraient fusionner dans le soleil ou la lune. Vos recherches se basent principalement sur les expériences de EMI, les expériences de mort imminente. Pouvez-vous nous parler plus précisément de ces recherches? Mon site Tricked by the Light décrit comment nos âmes sont programmées au moment de la mort pour être recyclé comme énergie et potentiellement regagne la Lune ou le Soleil. Cette recherche est en majorité basée sur les témoignages de EMI. Et j'ai assemblé ces recherches à partir de nombreuses disciplines différentes, telles que les expériences de mort imminente et de sortie de corps, les expériences psychédéliques, et aussi les textes anciens et même les sciences. Nikola Tesla a dit, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. » Donc, tout est énergie vibrant sur différentes octaves et tout est fréquence. Vous pensez également que notre planète est une illusion et que nous rêvons. Est-ce une illusion nécessaire? Et si oui, pour qui? Elle est nécessaire pour nos dirigeants, que les gnostiques appellent les archontes. Ils nous utilisent pour se nourrir de notre énergie. C'est nécessaire pour eux de nous garder dans un état de rêve ou de rester à un niveau de conscience plus bas, et donc dans un rêve ou une illusion, pour que l'on ne se réveille pas complètement à cette réalité. Et d'un autre côté, si on est juste des esprits éternels, peut-être qu'on se lasserait. Et donc, nous aurions pu faire exprès de limiter notre éveil de conscience afin que nous ayons un défi amusant à relever et descendre ici. Donc, de chaque perspective et point de vue, ça serait acceptable. Tout dépend de quel côté on se place. Votre théorie révèle des prédateurs pour l'humanité, comme les archontes et les entités parasites. Que sait-on sur ces entités parasites? Cette théorie sur la vie et la mort montre les traces d'un prédateur pour l'homme, dont les archontes prédateurs, qui sont des entités parasites. En fait, les gnostiques les appellent archontes. Ils sont nos dirigeants, mais il y a aussi les ombres noires, ou êtres de l'ombre, dont les gens disent qu'ils peuvent se nourrir de notre système nerveux. Ils peuvent créer des projections et des illusions dans notre esprit, et générer la peur. On les décrit sous de nombreuses formes différentes. Des araignées, ou des pieuvres, des tiques ou des sangsues, des entités de l'ombre qu'on ne peut pas vraiment voir ici, dans notre champ de vision quotidien. Les témoins de EMI vivent également des expériences holographiques générées par ces entités parasites, comme par exemple le fameux tunnel de lumière.
those parasitic entities in the afterlife in the fake tunnel of light, for example. Justement, les témoins de MI peuvent réellement, pendant leur expérience de mort imminente, se retrouver avec des projections holographiques ou des souvenirs écrans. Ou bien ces entités parasitent dans l'après-vie et dans le faux tunnel de lumière, par exemple. Au moins une douzaine de témoins de MI que j'ai rencontrés ont parlé de leur capacité de prendre n'importe quelle forme ou état qu'ils souhaitent. Ils peuvent apparaître typiquement en tant que figure religieuse pour gagner notre confiance, nous mettre à l'aise, et en fait ça ouvre en quelque sorte une grosse boîte de Pandore. Et ces entités déclarent qu'il faut retourner sur Terre pour apprendre. Mais nous n'avons pas besoin d'apprendre, car tout est déjà en nous. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que quand on est de l'autre côté, on a accès à toute la connaissance qu'il y a dans l'univers. Et ça pose la question du pourquoi on a besoin de venir ici. Et certainement, la connaissance que nous apprenons sur Terre ne s'appliquerait pas nécessairement de l'autre côté, où la lumière est si magnifique, où tout est amour. S'il n'y a pas de haine, pourquoi devrions-nous venir apprendre ici? Ils disent que notre esprit viendrait apprendre quelques leçons, des leçons que nous ramènerions avec nous. Mais je ne comprends pas comment ces leçons pourraient être appliquées de l'autre côté. Comment gagner ce jeu et quitter la planète? Comment pouvons-nous sortir de la matrice? Avec la masse critique, on pourrait dissoudre la matrice collectivement si nous réveillons assez de gens et atteignons la masse critique de prise de conscience. Si toute cette masse d'esprits refusait de se réincarner ici, eh bien le système démiurgique serait déséquilibré et tomberait. Il ne serait pas capable de s'auto-alimenter. Cependant, il vaut mieux ne pas compter sur la masse collective et se préparer à le faire individuellement à notre mort. Donc les expériences de mort imminente et les sorties hors de corps rapportent que nos âmes sont composées de lumière liquide transparente et que nous pouvons voyager n'importe où, presque instantanément avec notre pensée, notre désir, notre intention et volonté. Ils disent que l'on peut créer notre propre réalité. Au final, se réveiller est la première étape pour sortir de la matrice. Après tout, on a besoin d'être conscient qu'on est libre et qu'on reste prisonnier de sa propre ignorance, et que la vraie supraconscience de notre âme est retenue et régulée artificiellement par le cerveau. Ce qui arrive typiquement au moment de la mort, c'est qu'une lumière attirante va apparaître tout de suite, et l'âme est attirée à elle. Elle souhaite se diriger vers elle. Mais certains sont capables de rebondir sur les parcours de leur expérience d'IMI. Quelques-uns ont mentionné que le tunnel était une illusion, et l'un a même créé son propre tunnel. Il y a assez de rapports de témoins de NDE qui suggèrent qu'une fois qu'on est dans le domaine de la lumière blanche, ensuite l'esprit finit par être convaincu par des guides spirituels ou des maîtres ascensionnés ou d'un conseil des sages, qu'il a besoin de repartir sur Terre pour finir de tirer des leçons et de grandir spirituellement. Des contrats et des accords sont exigés. L'esprit consent à renoncer à une certaine souveraineté. Donc je pense clairement qu'il faut arrêter d'aller vers la lumière et arrêter de donner son accord pour ces contrats. Il faut arrêter de se réincarner si on veut se libérer de cette matrice. J'ai aussi trouvé plusieurs dizaines d'expériences de MI qui ont impliqué des aliens. À peu près une douzaine étaient identifiés comme les ET gris classiques. Et ces êtres dans la lumière pourraient très bien correspondre aux êtres que les gnostiques appellent les archontes, car ils sont capables de changer de forme et de prendre n'importe quel aspect pour nous mettre à l'aise, pour qu'on leur fasse confiance. Mais cette lumière blanche est juste le premier niveau d'existence dans le domaine de l'astral. Il y a bien d'autres domaines au-dessus et au-delà de ce champ vers lesquels on peut choisir d'aller. Comme on voyage par intention,
Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se concentrer et faire converger toute son attention afin d'élever sa fréquence de plus en plus haut. William Bulman a eu de nombreuses expériences de sortie de corps. Il a enquêté sur plus de 16 000 expériences de sortie de corps à travers ses propres expériences. Il a obtenu des résultats en utilisant certains mantras, tels que « bouge vers l'intérieur, sois supérieur tout de suite ». Je recommande d'utiliser « fréquence supérieure maintenant, fréquence supérieure maintenant, fréquence supérieure maintenant ». C'est un peu comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz quand elle se réveille d'un rêve en répétant « on n'est jamais mieux que chez soi, on n'est jamais mieux que chez soi ». Si on augmente sa vibration, on passera probablement par une série de trous de verre ou tunnels, jusqu'à ce qu'on atteigne ce que les gnostiques appellent le royaume de la lumière éternelle. Mais il est important de ne pas s'identifier avec ces corps basés sur la forme. On peut exister en tant que pure conscience ou énergie. C'est important de garder notre vibration haute pendant qu'on est sur Terre et de casser notre propre attachement à cette existence physique terrestre. C'est capital puisque ces attachements peuvent nous retenir sur le plan terrestre et dans la dimension du bas astral. Donc il est important de pratiquer l'alchimie spirituelle pour éviter que nos attachements et les résidus ne pèsent sur nos âmes. Une fois que nous sommes morts, nous devons laisser partir tous les soucis de ce monde. Donc, autant faire ça pendant qu'on est là, et ne pas conserver de rancune, de regrets, pardonner aux autres, pratiquer l'amour et la bonté, être tendre et gentil, pacificateur, clément et charitable, aider les pauvres, les malades et les faibles, et renoncer aux choses de ce monde. Concernant le tunnel de lumière, pensez-vous qu'il existe plusieurs portes de sortie? Peut-on échapper à cette fausse lumière en choisissant une autre direction? J'ai récemment fait une hypnose où j'ai visualisé plusieurs portes autour de moi. Et il y avait une porte située à ma gauche. J'ai donc ouvert cette porte et j'ai eu l'impression de plonger véritablement dans l'univers, totalement entouré d'étoiles et de planètes. C'était une sensation incroyable. Je me sentais vraiment bien. Était-ce un souvenir ou pensez-vous qu'il s'agissait également d'une illusion? Eh bien, je ne sais pas si c'était une illusion ou bien si cela provenait de votre conscience. Je pense que notre conscience est capable de projeter des tas d'images. Il peut très bien s'agir d'un processus de création, car il est tout à fait possible de créer vos propres portes, tout comme cet homme qui a créé son propre tunnel. Mais ce qui compte par-dessus tout pour moi, comme tout est fréquence, c'est d'augmenter de plus en plus les hautes vibrations. Je me souviens d'un témoin de EMI, du nom de David, qui a été amené à travers sept niveaux de vibrations, des cieux, du paradis, et chaque niveau était un million de fois plus magnifique que le précédent. Donc, je pense qu'il faut aller le plus haut possible. Nous n'avons pas besoin de corps. Pour moi, c'est un piège. Nous pouvons exister en tant que pure béatitude ou pure conscience. Vous savez, dans le livre des morts au Tibet, il parle aussi de ne pas aller dans la lumière, la fumée de l'enfer, et de fusionner avec la lumière claire qui est simplement nous-mêmes. Je crois qu'ils font référence au néant. Certains expérienceurs ont décrit la lumière comme brumeuse ou nébuleuse, et d'autres ont décrit le néant comme quelque chose de clair. Pensez-vous que nous pouvons communiquer avec notre double d'une autre dimension? Je pense vraiment que nous existons sur de nombreux endroits différents, à des niveaux différents de dimensions en même temps. Je pense qu'une partie de notre esprit, mais pas la totalité, est incarnée dans notre corps. Mais la majeure partie de notre esprit est probablement en dehors du plan physique. On pourrait avoir de nombreuses vies différentes et bien des âmes différentes sur différentes planètes, tout ça simultanément.
On parle du temps qui n'existe pas, que là-bas, tout arrive en même temps, le passé, le présent, le futur. Je pense qu'on a notre esprit, et que pour une raison quelconque, il a été piégé ou leurré pour descendre ici et vivre toutes ces expériences différentes. Mais en tant qu'âme différente, je le vois comme notre esprit qui vit plein d'expériences, avec plein d'âmes différentes. Donc oui, vous pouvez communiquer avec votre véritable essence spirituelle. Au sujet de la réincarnation, le fait que notre mémoire soit effacée entre les vies, cela fait partie du processus de contrôle de la matrice, n'est-ce pas? Nous oublions la plupart des choses du passé et nous acceptons de revenir nous réincarner. J'ai parlé à des personnes qui sont capables de déplacer leur conscience. Et elles peuvent aller sur d'autres plans, où elles ont d'autres vies, sous des formes différentes. Ils vivent ça. Est-ce un état de conscience modifié? Oui, ils disent que c'est plus vrai que vrai. Et ils le voient devant eux. Je suppose que ça doit être un état de conscience modifié. Mais ils n'utilisent pas de drogue ou quoi que ce soit. Ils sont juste capables de déplacer leur perspective. On peut parler par exemple de Robert Monroe, avec ses 2 à 3 000 incarnations et expériences différentes. En gros, à chaque fois qu'on revient, on subit cet effacement de mémoire. Et les témoins de MI vous diront que vous avez besoin de ça. Parce que si vous essayez de vous souvenir de toutes ces existences différentes, c'est trop lourd, trop accablant. Vous pourriez ainsi garder des rancunes sur des gens. Vous pourriez ainsi garder des rancunes sur des gens dont vous vous souvenez, qui traînent depuis longtemps dans le passé. Donc c'est un peu comme une page blanche, un nouveau départ, de leur point de vue. En fait, l'effacement des mémoires est un élément clé pour eux, l'abaissement de notre conscience afin que l'on soit en état de rêve ici-bas. Quel est selon vous le challenge à remporter pour les années à venir? Eh bien, les transhumanistes semblent avoir un agenda pour démarrer un nouvel humain. C'est une sorte de mise à jour de l'être humain, afin qu'il fusionne de plus en plus vers la machine. Je pense que le danger, c'est qu'on se retrouve immergé dans un autre niveau plus profond du labyrinthe, que nous entrions dans une matrice à l'intérieur d'une matrice. Je pense que l'on doit résister à la tentation de devenir des cyborgs, et surtout, ne pas accepter le moindre implant inséré dans notre système nerveux. Si ça arrive, il y a de grandes chances qu'on devienne des robots télécommandables à distance. Nous vous remercions beaucoup, Wayne, pour cet entretien fascinant, et nous vous souhaitons encore beaucoup de courage dans toutes vos recherches. Merci pour toutes les observations que vous nous avez faites partager pour ce documentaire. Merci à vous. C'était un grand honneur de participer à votre documentaire. Dites à tout le monde, augmentez votre vibration, jusqu'à ce qu'on retourne à la maison. Les États-Unis veulent imposer leur idéologie sur la scène internationale en instaurant un climat de peur et de dénonciation. C'est la chasse aux sorcières du macartisme, où les individus accusés de faire l'apologie du communisme sont arrêtés. Les États-Unis mènent également les débats au sein de l'ONU, à tel point qu'on les désigne comme les gendarmes du monde. En 1947, les Malgaches songent à l'indépendance. Fin 2016, François Hollande se rend à Madagascar pour reconnaître les crimes commis par la France coloniale en 1947. Je rends hommage à toutes les familles de ces événements, aux milliers de morts et à tous les militants de l'indépendance qui ont été arrêtés et condamnés pour leurs idées, a-t-il déclaré. On redessine les cartes avec la création de nouveaux États, l'Inde ou encore le Pakistan et Israël. En 2017, c'est même le président américain lui-même, Donald Trump, qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Toujours sur le plan international, la Convention de l'Organisation météorologique mondiale est conclue à Washington le 11 octobre 1947.
le but est d'agir pour le développement durable, protéger l'environnement et le climat mondial dans l'intérêt des générations présentes et futures. Depuis tant d'années, on se demande à quoi servent ces organisations censées protéger l'environnement ou s'il s'agit que d'un rideau de fumée utilisé pour faire fonctionner le commerce et faire culpabiliser et réprimer les humains comme les grands responsables du réchauffement de la planète. Ainsi, en 2017, se déroule la COP23, une conférence à Bonn sur le réchauffement climatique. Le constat est sans appel. Toujours aucune réglementation concrète n'a été prise suite aux accords sur le climat signés en 2015. La France, sur laquelle reposaient de fortes attentes à l'international, n'a fait aucune proposition. Selon les statistiques, les années 2015 à 2017 seraient les années les plus chaudes jamais enregistrées. En 2018, c'est la Pologne qui sera pointée du doigt. Elle est saluée lorsqu'elle fait fonctionner le commerce américain en important du gaz de schiste américain, mais pointée du doigt comme étant responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre de la planète à cause de l'utilisation de son charbon. La première tentative de modification du climat par l'armée américaine date du 13 octobre 1947. Il s'agit du Cirrus Project. L'armée américaine a jeté 35 kg de dioxyde de carbone solide dans une tornade. Celle-ci change effectivement de direction, mais dévaste la ville de Savannah, en Géorgie. Des poursuites judiciaires sont alors engagées. Fin 2017, l'ouragan Harvey frappe le Texas, avec des vents atteignant les 215 km/h. L'un des ouragans les plus puissants qu'aient connu les États-Unis. 185 000 maisons endommagées, 9 000 détruites. Des soupçons sont portés concernant l'utilisation de la géo-ingénierie. En faisant quelques recherches, on constate qu'il existe une association appelée West Texas Weather Modification, dont le programme est d'améliorer les orages et les précipitations sur des millions d'acres de terre au Texas. Il est indiqué sur leur site internet que depuis 2004, les actions de cette association ont permis d'augmenter les précipitations de 16%. La veille où l'ouragan s'abat sur le Texas, l'association West Texas Weather Modification ensemence les nuages à l'aide de fusées glaciogènes. Ce document officiel le confirme. En France, c'est la mise en place de la 4e République. L'historien Jacques Juillard qualifie l'année 1947 d'année terrible. C'est la grande rupture entre communistes, socialistes, dont le mouvement s'inscrit selon lui à l'échelle mondiale. Ainsi, De Gaulle lance un nouveau mouvement qui se veut au-dessus des partis politiques, le RPF, Rassemblement du peuple français. Mais dans les faits, le mouvement se dit anticommuniste et fait écho aux États-Unis. Un nouveau président est élu en France en 1947, Vincent Auriol, alors que le Parti communiste est à plus de 28% des voix. Les ministres communistes sont congédiés alors que l'usine Renault est en grève, soutenue par les communistes. Selon Juillard, ces événements français ne font que confirmer le mouvement mondial et la mise en place du rideau de fer. Les bénéficiaires du plan Marshall sont ceux qui tournent le dos au communisme. Finalement, la nouvelle Europe imaginée par Hitler a été réappropriée par les États-Unis avec le plan Marshall, en posant les fondations d'une Europe à leur image. Juillard déclare « Ce n'est qu'au cours de cette année que, de manière claire et définitive, la France bascule dans le clan américain plutôt que dans le camp soviétique. » Il ajoute que nous sommes à l'aube de la prospérité économique des Trente Glorieuses. Redevable du plan Marshall, la France semble devenir la petite sœur alliée des États-Unis. Résistant au régime nazi en 1940, puis officier de l'armée secrète et membre du service du contre-espionnage français, Pierre de Villemareste se spécialisa dans les relations internationales et plus précisément sur les pays évoluant sous la domination soviétique communiste. Selon lui, la fameuse guerre froide USA-URSS ne fut qu'une fumisterie prouvée par le financement des deux régimes. Le communisme capitaliste était un même système permettant de tout contrôler. Ce système appelé synarchie est la pierre angulaire du complot mondial qui se trame en coulisses. Je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant comme explication. Une soi-disant confrontation entre deux mondes et puis en même temps tout à coup des choses bizarres se passant en coulisses et comme s'il y avait une sorte de compromis ou tacite ou organisé entre l'Est et l'Ouest par-dessus nos têtes. Donc je me suis mis à étudier aussi les coulisses du monde occidental. J'ai des textes qui datent de 1932, de ces milieux-là, des textes internes, où on parle du nouvel ordre mondial sans arrêt. Donc ce n'est pas une découverte que le président Bush l'ait dit après la guerre du Golfe. C'est simplement une confirmation, parce qu'on ne nous fera pas croire que ces gens-là ont toujours le même langage à travers un siècle, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Il y a un fil conducteur.
Alors, après la guerre, il y a donc la soi-disant guerre froide qui commence, je dis soi-disant puisqu'il y a été mêlé à, comme on peut lire dans mes livres, à certaines affaires secrètes. J'ai quand même vu que c'était une horrible mascarade. On voulait bien empêcher le communisme de nous prendre ici comme les pays d'Europe de l'Est, mais on voulait pas le détruire, on voulait s'arranger avec lui, ce qui est très différent. Il y a des milliers de gens qui sont morts d'avoir cru que l'Occident les aiderait à se libérer du totalitarisme communiste. En 1948, George Kennan, responsable de la planification politique du département d'État des États-Unis, déclare « Nous possédons environ 50% des richesses mondiales, mais seulement 6,3% de la population mondiale. Notre tâche dans l'avenir est de maintenir cette situation de disparité. » Alors que le monde politique connaît de grands bouleversements qui se manifestent aux yeux de tous, dans les coulisses, de nouveaux projets secrets se mettent en place. Le 18 septembre 1947 est créée la CIA, la Central Intelligence Agency. Elle se charge d'opérations d'espionnage et des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. L'agence est la descendante de l'OSS, dissous en octobre 1945. William Donovan, son créateur, propose alors à Harry Truman la création d'une nouvelle agence directement sous l'autorité du président. En dépit de l'opposition des militaires, du département d'État et du FBI, le président met en place le Central Intelligence Group en janvier 1946. En 1947, il est transformé en CIA. À l'origine, toute l'action de l'agence, aussi bien le renseignement que les opérations clandestines, est dirigée contre l'Union soviétique et le bloc communiste, considérés comme les principaux adversaires des États-Unis. Les actions de la CIA au départ concernent surtout l'Europe, considérée comme le futur champ de bataille de la Troisième Guerre mondiale. La CIA a le statut d'agence indépendante du gouvernement. Elle a le droit de garder secrètes ses caractéristiques, comme le nombre de ses employés ou encore son budget. En 2017, une polémique enfle autour de Donald Trump et de la CIA. Cette dernière accuse Donald Trump d'avoir obtenu l'appui d'une ingérence russe dans sa campagne présidentielle de 2016. Le président a traité la CIA de vendue, mais fin 2017, Donald Trump assure croire le renseignement américain qui soupçonne Moscou d'ingérence dans les élections américaines. Dans l'ombre, la CIA réalise des expériences sur les êtres humains, afin de mieux les manipuler. On assiste à une série de projets qui se succèdent sous différents noms. Le projet Philadelphie est réactivé sous le nom de projet Phoenix, toujours sous la direction de von Neumann. Avec l'opération Paperclip, des scientifiques effectuèrent des recherches dans divers domaines, notamment sur les armes chimiques, Zyklon B, sur l'usage des psychotropes, sur la conquête spatiale, les missiles balistiques ou encore les armes à longue portée, bombes volantes V1 et V2. Reinhard Gehlen eut aussi une profonde influence en aidant à créer le Conseil de sécurité nationale, dont la loi sur la sécurité nationale de 1947. Ce projet de loi a été mis en œuvre pour protéger les activités du gouvernement, y compris le contrôle de l'esprit et des programmes clandestins. La loi sur la sécurité nationale du 26 juillet 1947 permet de fusionner les différents services de renseignement et les restructurer de manière pyramidale, placés sous l'autorité du secrétaire à la Défense. Cette organisation permet aussi de distinguer les prototypes militaires en cours des véritables ovnis. La première phase de développement du projet MKUltra a augmenté le contrôle de l'esprit des anciennes techniques occultes qui exigent de la victime d'être exposée à de massifs traumatismes psychologiques et physiques, en général dès l'enfance, afin de provoquer la psyché, de la briser en mille morceaux et modifier les personnalités qui peuvent ensuite être programmées séparément pour exécuter une fonction ou un emploi que le programmateur souhaite installer. Parallèlement, toujours en 1947, le Code de Nuremberg établit une liste de critères qui indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables. Le Code de Nuremberg eut peu d'effets directs sur les pratiques d'expérimentation après la guerre. Des révélations fracassantes s'enchaîneront dans les années 70, révélant une partie de l'ampleur du complot. Les victimes de ces expériences sont récupérées dans la rue, des assassins et tortionnaires. En 1970, des poursuites ont été engagées par des survivants et leurs familles. En 1973, Richard Helms, directeur général de la CIA, ordonne la destruction de tous les dossiers et des fichiers MKUltra. La commission d'enquête des agences du renseignement du Sénat ont pu retrouver toutefois au cours des enquêtes, en 1976, quelques documents secrets. En 1977, par une demande faite au nom du libre accès à l'information, pas moins de 16 000 pages de documents sur les techniques et les expériences de contrôle mental ont été trouvés parmi les documents comptables de la CIA. En 1947, Alfred Kinsey,
professeur d'entomologie et de zoologie, mascotte des pédocriminels et financé par Rockefeller pour ses recherches douteuses concernant les orgasmes d'enfants, fonde à l'Université de l'Indiana l'Institute for Sex Research. Ses écrits douteux ont de quoi vous faire bondir de votre chaise concernant sa vision et ses conclusions sur la sexualité des enfants. En 2017, la psychologue et philosophe Ariane Bilrand dénonce en France la participation de Siecus à l'élaboration de standards pour l'éducation sexuelle en Europe qui font autorité désormais en France et sont appliqués à l'insu des gens via le Grand Plan Stratégie Santé Sexuelle 2017-2030 du ministère de la Santé, rendant l'éducation sexuelle façon Kinsey obligatoire dès la maternelle. Je vais vous parler d'un document que tout le monde pourra aller lire et vérifier, qui s'appelle « Standards pour l'éducation sexuelle en Europe » et qui donne la ligne de conduite idéologique pour la planification du plan santé sexuelle 2017-2030 de la Stratégie nationale de santé sexuelle du ministère de la Santé en France. Bon, on revient aux standards et aux plans, rien que ces deux termes ont un parfum totalitaire parce que c'est bien le régime totalitaire qui vise à standardiser des comportements. Et là, c'est totalitarisme pervers, standardiser des comportements sexuels et les planifier. Donc on me demande si c'est une loi, cette éducation sexuelle à partir de la naissance. Bien non, c'est pire, parce qu'en fait, c'est une infiltration idéologique qui nous est imposée via l'Europe, sans que jamais les professionnels de santé mentale de l'enfance ni le peuple de France n'aient été consultés. C'est donc totalitaire. Et cela pose un sérieux problème, parce que toute la pseudo-théorie scientifique de ces standards émane de sexologie adulte, faisant des projections sur une hypothétique sexualité infantile. Parce qu'en effet, ces standards s'organisent autour de l'idéologie pédophile de Kinsey, un homme fou qui avait pratiqué des viols sur bébés pour soi-disant faire des recherches sur la sexualité. Que disent donc ces standards, qui se fondent donc sur l'idéologie Kinsey, et qui s'imposent à nous de façon totalitaire? Premièrement, ils prônent la confusion entre la sexualité de l'enfant et la sexualité de l'adulte. Donc, parents de France, attendez-vous à ce que l'éducation sexuelle devienne obligatoire en France? Page 14, sans clause d'exception qui permettrait aux parents de retirer leurs enfants de la classe s'ils ont des objections sérieuses par rapport au programme. Donc ce caractère est totalitaire, c'est un caractère obligatoire qui contredit la Déclaration des droits de l'homme sur le choix d'éducation prioritaire réservée aux parents. En clair, les parents sont destitués de l'autorité parentale concernant l'éducation sexuelle selon ces standards. Cette matière multidisciplinaire va faire l'objet d'objectifs d'apprentissage et d'une évaluation tangible en matière de comportement, page 15. Alors, sachant qu'on exclut des programmes l'abstinence, puisque c'est écrit, j'aimerais bien savoir comment va-t-on évaluer les résultats tangibles en matière de comportement pour l'éducation sexuelle. Je vous rappelle que c'est participatif, les enfants vont être partenaires de l'adulte entre 0 et 4 ans pour être éduqués, page 29, au plaisir et à la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Donc, j'imagine que c'est en groupe, en classe, voilà. Dans son livre « Sexual Sabotage », la professeure Judith Reisman, une universitaire américaine, dénonce les conséquences de ses études biaisées dès le départ. Elle a retrouvé plusieurs victimes de Kinsey, car en réalité, il détenait toute une collection de films de viols d'enfants opérés de diverses manières et sur de longues périodes de temps. Il cherchait à savoir quand, selon lui, un enfant avait un orgasme. Alors, je vous donne la définition de l'orgasme des bébés selon Kinsey. Le bébé se bat contre le partenaire, il tombe en convulsion avec de violents mouvements de bras et de jambes, avec des pleurs. Voilà, donc je pense que là, on est vraiment dans l'épanouissement sexuel du bébé. D'après la table 34 des recherches de Kinsey, un bébé de 11 mois a ainsi eu 14 orgasmes en 38 minutes. Un autre enfant âgé de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en l'espace de 24 heures. Pour son étude sur les orgasmes multiples chez les préadolescents, 28 garçons et bébés ont été violés de manière répétée. Donc en conclusion, ces standards relèvent d'un totalitarisme pervers et n'ont aucune caution scientifique, à mon sens. D'ailleurs, ils évoquent une notion très étrange, la notion de citoyenneté sexuelle. L'enfant étant dépendant de l'adulte transgresseur, il s'agit bien d'une emprise perverse. Il n'y a pas de développement sexuel de l'enfant, car il existe une différence de nature et non de degré, entre le statut de l'enfant et le statut de l'adulte. La pédophilie a complètement été évacuée de ces textes, puisqu'elle n'est jamais citée et que l'enfant est supposé consentant. Enfin, il peut dire si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, voilà. Donc en gros, si l'enfant ne dit rien, et si c'est sans violence physique apparente, il peut avoir une sexualité, et une sexualité avec un adulte.
Il peut être partenaire de l'adulte. Il doit être partenaire de l'adulte dans son éducation sexuelle. Je rappellerai pour finir que certains lobbies pédophiles présentent la pédophilie comme une banale orientation sexuelle et ont toujours milité pour l'importance d'enseigner la sexualité aux enfants. Parlons maintenant des animaux. Dans l'émission Débat Tribune de Paris diffusée en 1947, dont le sujet était « Les animaux ont-ils une âme ?», un psychologue déclarait « Je crois que nous amplifions beaucoup la souffrance de l'animal, car la souffrance croît dans la proportion de la conscience, et l'animal est moins conscient de sa souffrance que nous-mêmes. » En 2017, après des années de débat, le Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, et non plus des biens meubles, mais les législations n'empêchent ni ne ralentissent les abattoirs, ni l'extinction des espèces. Après le voile sur la souffrance humaine et animale, abordons le secret des systèmes d'écoute et de surveillance. Il s'agit désormais de prendre le contrôle de la planète entière. Le système d'écoute échelon se déploie, reposant sur un accord initial signé en 1947 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, rejoint ensuite par le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce réseau attribue, dans le cadre de la guerre froide, à chaque pays membre une zone d'écoute. L'information collectée, grâce à des bases situées à différents points du globe, est traitée à Fort Meade, dans le Maryland, au siège de la NSA. Quelques 10% des télécommunications seraient ainsi interceptées, dont 10% seraient traitées par la NSA. L'existence de ce réseau échelon n'a été révélée officiellement qu'en 1999. Nous vous invitons à visionner notre premier documentaire filmé sur le plateau d'Albion, intitulé « Sur les traces des gardiens de la Matrice ». En 2017, une carte montre comment la NSA écoute toutes vos communications sur Internet. Presque 100% des communications américaines sont captées par le trio opérateur NSA-Google et un pourcentage bien plus élevé qu'en 1947 dans le monde par le biais des centres d'interception. C'est bien au-delà du programme de surveillance de masse, PRISM, révélé par Edward Snowden en 2013. Difficile dans cette situation d'échapper aux grandes oreilles américaines, à moins de réussir à se passer de Google, Facebook, Instagram et autres Snapchat. Comme nous l'avons dit, les projets se succèdent dans divers domaines. Le projet SIGN, créé en décembre 1947, est la première étude scientifique officielle de l'US Air Force sur les ovnis. Une branche de ce projet aboutira plus tard au projet Blue Book. Cet organisme et ceux qui suivront, chargés d'étudier officiellement le phénomène ovni, sont en fait des opérations de communication publique et de désinformation. Selon Emmanuel Dellinger dans son ouvrage « OVNI, l'armée démasquée, 60 ans de manipulation psychologique » publié en 1999, ces commissions sont destinées à mystifier les puissances étrangères, comme l'URSS, dès le début de la guerre froide. Nous sommes en pleine opération Paperclip, où il s'agit pour les Américains de récupérer les savants allemands. Le gouvernement américain se défend. S'il n'avait pas mis la main sur ces savants, les Soviétiques l'auraient fait à sa place, ce qui n'est pas tout à fait faux. Les Russes avaient eux aussi un programme de recrutement de scientifiques allemands. Ainsi, ces organismes de désinformation pouvaient servir de couverture pour les techniques secrètes américaines. Comme nous l'avons vu auparavant, avec la création du jeu vidéo et l'hologramme, 1947 marque un pas de géant dans la commande à distance. On ne s'implique plus directement dans le réel. L'AMC, Air Materiel Command, teste et développe des aéronefs sans pilote. Echo en 2017, puisqu'une chercheuse de l'INRA de Rennes, Natalia Kosmina, parvient à piloter un drone par la pensée. Toujours en 1947, est créé aux États-Unis le Majestic 12, ou MJ-12, par ordre du président Truman. Il s'agissait du nom de code d'un comité secret rassemblant scientifiques, militaires et membres du gouvernement. Selon les recherches de Wilbert Smith, ancien directeur du Canadian Flying Saucer Investigation, le but de ce comité était d'enquêter sur les récentes séries d'observations d'OVNI. Il s'agissait particulièrement d'étudier la physique et la technologie utilisées par ces appareils. La récupération de l'épave de Roswell aurait précipité la création de ce comité. Dès 1941, un réseau de radars se déploie sur le territoire américain. Les premiers crashs de soucoupes volantes aux États-Unis se produisent dès la mise en service des premières installations radars à micro-ondes, en particulier celles hautement énergétiques, produites à l'aide du magnétron, dispositif anglais créé en 1940 par l'équipe d'Henry Tizard. Ainsi, l'armée qui aurait découvert au début des années 40 que les ovnis pouvaient être déstabilisés en utilisant des ondes installa ensuite d'autres radars sur différents sites afin de faire tomber d'autres appareils. Le sergent Clifford Stone déclara « Ça peut paraître fou, mais nos radars ont causé des ravages sur les systèmes de guidage extraterrestres et ils ont dû adapter leur système de guidage pour ça. »
Le sergent-chef Dan Morris déclare également « Le radar avait un effet sur les ovnis quand ils étaient bas et lents. On savait déjà ça. On le savait avant 1947, avant qu'ils descendent. On a concentré sur eux les faisceaux de plusieurs gros radars très puissants et ça a provoqué la collision de deux d'entre eux. » Le rapport de l'IPU confirme d'ailleurs que la station radar de l'Army Air Force avait repéré les ovnis le 4 juillet avant qu'ils ne s'écrasent. Puis les débris auraient été répartis dans divers lieux pour examen. Un autre projet secret suscite bien des interrogations. Il s'agit d'une expédition en Antarctique, l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, avec à sa tête l'amiral Crusen et Byrd. C'est l'opération High Jump. La marine propose d'envoyer une expédition dans l'Antarctique au début de 1947. Le but de cette expédition comprend la formation du personnel et du matériel d'essai, la consolidation et l'extension de la souveraineté américaine sur les zones de l'Antarctique et d'enquêter sur les sites de base possibles et d'étendre les connaissances scientifiques en général. En janvier 1946, les plans de l'expédition préparés par Lincoln Ellsworth avaient été annoncés dans la presse. Ils indiquaient des vols à basse altitude pour une cartographie aérienne de l'Antarctique en 1947. Il faut savoir que Byrd avait déjà effectué trois expéditions en Antarctique. Sous couvert de l'argument scientifique, il s'agit bel et bien pour les États-Unis de s'approprier un nouveau territoire pour y développer des bases militaires. Pour l'amiral Mark Mitcher, il s'agit de consolider et d'étendre la souveraineté des États-Unis sur la plus grande surface possible du continent Antarctique. Dans un communiqué de presse du 12 novembre 1946, Byrd déclara que « les fins de l'opération sont principalement de nature militaire, qui est de former du personnel maritime et de tester les navires, les avions et les équipements dans des conditions polaires, dans des zones glaciales. » Les soviétiques, très attentifs au projet, n'étaient pas dupes et en avaient parlé dans l'éditorial de la revue navale « Étoile rouge » suite à la conférence de presse de Byrd. Des représentants de gouvernement du Chili, d'Australie et de Nouvelle-Zélande demandent à participer à l'expédition en tant que simples observateurs, mais leur demande est rejetée par la marine américaine. Le capitaine Rees écrit à Crusen en lui faisant part de son exaspération face au choix des navires et la précipitation des préparatifs dans une opération dont il ignore l'objectif. La flotte est divisée en trois groupes. Le fait que les navires arrivent depuis plusieurs directions différentes n'est pas normal et ressemble bel et bien à une manœuvre d'encerclement pour éviter que des individus s'échappent. Alors que l'objectif annoncé était de cartographier l'Antarctique, on comprend que les pilotes d'avions recrutés ne sont pas du tout qualifiés pour la cartographie. Le 22 février 1947, alors que l'expédition devait durer jusqu'en juillet, on effectue des opérations d'évacuation. Les appareils reviennent endommagés, aussi bien les navires que les hydravions, mais également des pertes humaines. Deux pilotes, Kretzer et Reinbold, témoignent lors de leur survol vers le sud. Ils auraient aperçu des cristaux de glace d'un bleu lumineux dans le ciel noir et ont déclaré à l'amiral Byrd « c'était comme un paysage d'une autre planète ». À son retour, Byrd déclare en mars 1947 au journal chilien Mercurio « En cas de guerre, il faudra s'attendre à des avions capables de voler d'un pôle à l'autre ». La précipitation de l'expédition, l'encerclement par les navires, le retour précipité et les appareils endommagés semblent indiquer que le véritable but de cette opération n'était pas purement scientifique. De nos jours circule un carnet de l'amiral Byrd, où celui-ci témoignerait de sa rencontre avec une civilisation du centre de la Terre, les Ariani, qui posséderaient des engins volants en forme de soucoupe et auraient l'accent allemand. Dans une édition du carnet de bord de l'amiral Byrd datant de 1990, on peut apercevoir un croquis de la Terre creuse. L'amiral aurait survolé le 19 février 1947 une vallée avec de l'herbe très dense. Then rugged mountain ranges as far as the eye can see. Bunger leans forward in amazement. His eyes have caught a sudden and unbelievable change in scenery. The universal white has turned to chocolate brown, dotted with blue. A cameraman goes into action. 300 square miles of land without snow. Land that might be in New Mexico or Arizona. Il aperçoit même un mammouth, puis des ovnis en forme de soucoupe qui prennent le contrôle de son appareil. Le peuple qui reçoit Byrd à terre lui explique que suite aux bombes d'Hiroshima et Nagasaki, des survols de soucoupes ont été chargés de venir surveiller nos agissements. Dès 1947, ils auraient tenté d'avertir les humains qui auraient riposté en utilisant leurs armes. Quelle crédibilité accorder à cette publication? Pourquoi apparaît-elle subitement dans les années 90? Est-ce une nouvelle tentative de désinformation? Si ce carnet de bord existe, où se trouve l'original? Voici le drapeau de l'ONU
adoptée le 20 octobre 1947. Notez que le premier drapeau de 1945 a été réajusté en plaçant le pôle Nord au centre de la planète. Remarquez aussi que ce logo représente une cible, dont le centre, le Mille et le pôle Nord. Bonjour Rodney Clough. Bienvenue à notre documentaire sur l'année 1947, qui a été très chargé en événements. Nous sommes contents de vous avoir en tant qu'auteur du livre appelé « World Top Secret, How Our Earth is Hollow ». Top secret mondial, notre Terre est creuse. J'ai une question en rapport avec l'actualité. J'aimerais savoir si vous avez connaissance d'une nouvelle expédition au pôle Nord ou au pôle Sud. Y a-t-il des projets en ce moment, ou est-ce que tout est au point mort? Eh bien, depuis que le Dr Brooks Agnew s'est retiré en septembre 2013, on n'a pas été capable de trouver un nouveau chef d'expédition. Les gens ont peur de perdre la vie. Nous avons perdu 3 chefs d'expédition. 2 sont morts et un autre a subi un chantage financier. Le Dr Brooks Agnew a été contraint financièrement d'arrêter de diriger notre expédition. Steve Curray a perdu la vie à cause d'une tumeur au cerveau. Il était plus jeune que moi. Il s'est soudainement retrouvé avec 6 tumeurs au cerveau. Donc on l'a perdu. Et à peu près à ce même moment, le Dr Brooks a accepté la direction de l'expédition. J'ai été contacté par un colonel à la retraite, Billy Woodard, qui avait travaillé en tant que colonel dans l'US Air Force à la zone 51, cette base secrète dans le désert du Nevada, pendant 11 ans et demi. Il avait démissionné car il avait découvert de près ce qu'il s'y passait. Ils enlevaient des enfants partout dans le monde pour les emmener dans cette base souterraine et les utiliser pour combattre dans leur fausse guerre stupide concernant une soi-disant invasion alien. Il a laissé tomber, il ne voulait plus travailler avec eux. Il a quitté l'armée. Ils lui ont alors retiré le versement de sa retraite, parce qu'il ne voulait pas conserver le secret. Lui et moi avons contacté Terry Smith, d'Anchorage, en Alaska, pour effectuer un survol. Cela faisait partie du programme d'origine. Un repérage du ciel, des lieux, suivi par une expédition par la mer. Le Dr Brooks Agnew avait décidé de ne pas participer à cette partie de l'expédition. Donc nous avons décidé de l'effectuer par nous-mêmes séparément. On a contacté Terry Smith. Il avait un hydravion et il était d'accord pour engager 2 pilotes. L'un piloterait pendant que l'autre dormirait. Et nous ferions le trajet en avion d'Anchorage jusqu'à Point Barrow. Puis de Point Barrow, nous devions survoler l'océan Arctique, en direction de l'emplacement de l'entrée au pôle que j'avais évalué. Nous comptions aller le plus loin possible avant de rebrousser chemin. Et avec de la chance, nous aurions dépassé en vol la région des glaces et nous aurions été en mesure d'amerrir sur l'océan ouvert de l'intra-terre, à l'intérieur de l'entrée du pôle. On avait ainsi prévu de prendre un radeau pneumatique à bord de l'hydravion, puis de continuer par l'intra-terre sur ce bateau pneumatique. Tout cela faisait partie du plan qu'on avait prévu avec lui. Mais un an plus tard, avant qu'on puisse obtenir l'argent pour payer le vol, j'avais convaincu 4 personnes de venir avec moi. Malheureusement, l'hydravion s'est écrasé mystérieusement en Alaska. Tous ses amis ainsi qu'un ancien sénateur et quelques personnes à bord qui venaient pour pêcher sont tous morts. Ses amis ont eu de forts soupçons concernant ce vol qui aurait été saboté. On a ainsi perdu 2 chefs d'expédition, sans oublier le chantage financier. Donc les gens sont plutôt hésitants pour s'avancer désormais. Depuis, ma réaction est d'encourager quiconque voudrait y aller. Les gens qui veulent découvrir si la Terre est creuse ou pas doivent le faire par eux-mêmes. Mais ils ne doivent pas le dire à trop de gens, parce qu'ils pourraient être stoppés eux aussi. Ils ont passé au scanner l'intérieur de la Terre et ils ont admis avoir détecté des océans à l'intérieur. Oui, des scientifiques ont admis plusieurs fois, dans des publications, qu'avec le balayage de l'intra-terre, en utilisant différentes méthodes, ils ont détecté un océan à l'intérieur de la Terre, et des continents à l'envers donc. Donc oui, la Terre est creuse. Et à chaque fois qu'il y a de gros tremblements de Terre, les scientifiques admettent que la Terre sonne comme une cloche. Et quelle est la forme d'une cloche? Elle est creuse. Plus qu'une année terrible, c'est une véritable explosion qui a jailli en 1947, à l'instar de l'incroyable météorite de fer de Sikota Alin, tombée cette année-là en Sibérie orientale. Une chute unique dans l'histoire des météorites, au vu de ses 70 tonnes qui auraient survécu à son passage embrasé à travers l'atmosphère terrestre. Depuis 1947 et l'utilisation du scaphandre autonome pour la plongée en eau trouble par Cousteau, les scientifiques ont découvert que par la respiration liquide, en 2017, nous pouvions, tel un bébé en gestation dans le ventre de sa mère, plonger en eau profonde. Rappelons que nous sommes composés d'eau en majorité et que la planète Terre l'est aussi. Préserver cette planète, c'est aussi nous préserver. Nous l'avons vu à travers des faits incontestables. Des bouleversements incroyables se sont succédés en quelques mois, laissant place à une nouvelle réalité. Celle des normes, des cadres, mais aussi d'expériences, de manipulations, de surveillance,
et le développement du secret à l'échelle planétaire, pour un contrôle total de l'humain. C'est aussi l'avènement du virtuel, une nouvelle cage pour l'homme. Avec le recul, 70 ans après, en 2017, on comprend mieux le plan qui se dessine. Un transhumanisme avec des humains effacés et consentants, dépendants des technologies et de l'argent. Un cercle vicieux vers un bonheur virtuel. Oui, ce qui ressemblait autrefois à de la science-fiction est devenu une réalité. Une nouvelle question mérite alors d'être posée. Un enchaînement si rapide, exceptionnel et instantané à l'échelle de l'histoire de l'humanité et qui couvre absolument l'ensemble de la société mondiale, peut-il être d'origine naturelle? Après 10 mois de travail sur ce documentaire, une théorie s'est ouverte petit à petit à nous. Quelle est notre part de libre arbitre face à un tel raz-de-marée? Sommes-nous pleinement acteurs de notre réalité face à ce qui ressemble bel et bien à des mises à jour programmées et diffusées dans la matrice? Ainsi, la société n'est peut-être qu'un relais du programme et ne ferait qu'appliquer inconsciemment des ordres d'un scénario mis à jour. Nous vous avons réservé encore une dernière surprise pour confirmer tout cela. Oui, c'est bien en 1947 qu'a été créée la Doomsday Clock. Il s'agit d'une horloge virtuelle où minuit indique la fin du monde en fonction du développement de l'activité humaine sur la planète. En 1947, on l'a réglé à minuit moins 7. Aujourd'hui, il ne vous reste que 2 minutes. Il est important que chacun de nous prenne conscience de cette cage de verre qui s'abat petit à petit sur nous. Restons des humains conscients et éveillés.